Voilà, donc on va commencer et puis on sera dérangé comme ce matin, mais ne faites pas attention. Donc cet après-midi, on va commencer par une conférence qui a toute sa valeur, comme vous le savez. Pourquoi ? Parce que devant nous, il y a un grand homme qui n'est autre que Monsieur, que Monsieur Résilience. Donc je commence par ça, mais entre autres, il est neuropsychiatre. Hein, il est ancien directeur d'enseignement à l'Université de Toulon. Hein, et voilà, et ceux qui veulent s'inscrire, eh ben, ça sera l'occasion d'avoir un directeur de recherche. Ceci étant, ben, je vous laisse la place, monsieur le professeur. Et Rachid, il est là pour continuer. Merci. J'ai hérité de l'heure difficile, l'heure de la sieste, mais ne vous inquiétez pas. Je vais parler doucement pour ne pas vous réveiller. Et j'ai donc une demi-heure pour essayer de répondre à la question attachement, traumatisme et résilience. Alors, l'idée que je vous propose, c'est qu'aucun concept ne peut naître en dehors de son contexte culturel. C'est-à-dire que dès l'instant où on croit individualiser une idée originale, elle est originale parce que le contexte culturel et technique a changé. Et à ce moment-là, on peut penser autrement. Alors, l'exemple de ce que j'illustre, c'est... Alors, bon, la photo, diapo suivante, je n'arrive pas à la passer. Voilà. Alors, l'exemple, c'est... vous avez reconnu, bien sûr, Nabucodonosor. Et Nabucodonosor rentre de la guerre contre les Hébreux très traumatisé. Et le mot est impensable dans ce contexte-là, parce que dans ce contexte-là, quand un homme, après la guerre, rentrait confus avec des hallucinations ou incapable de traiter un problème, on disait qu'il était possédé, parce que la culture ne raisonnait qu'en termes de possession de l'âme par un esprit malveillant. Donc, quand Nabucodonosor s'est mis à marcher à quatre pattes et à aboyer, on avait la preuve qu'il était possédé. Et puis, vous avez à droite quelqu'un que personne n'a reconnu, et c'est Papa Freud, le père d'un grand nombre d'entre nous, en tout cas, qui nous a en tout cas appris à raisonner. Et Papa Freud se sert de la notion de traumatisme dans un contexte particulier, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a de traumatisme que sexuel. Et les hystériques n'ont pas de souvenir de cette agression sexuelle, et c'est parce qu'elles refoulent le souvenir de l'agression sexuelle qu'elles ont des symptômes névrotiques. Alors voilà un petit peu, donc ça dépend vraiment du contexte, sauf que Nabucodonosor et Papa Freud ont participé à la construction de ce contexte. Donc on a les mots, à peine les mots sont-ils inventés, que c'est des organismes vivants. Ils naissent dans une tête, ils sont mis au monde par la bouche, ils rencontrent d'autres mots qui fécondent un troisième mot. Ça veut dire que, comme tous les organismes vivants, les mots évoluent, les mots dérivent. Et quand ils sont conçus, le mot traumatisme conçu par Freud n'a pas la même signification que le mot traumatisme aujourd'hui, où les psychologues et les neurologues, vous avez bien entendu, les psychologues et les neurologues travaillent ensemble pour démontrer que, effectivement, ce qu'on appelait la confusion, l'hébétude, l'agonie psychique, je suis en train de citer Ferenczi, un élève de Freud, qui avait employé cette expression d'agonie psychique, ça correspond à la neurologie d'aujourd'hui, puisque Kidé à Nantes a fait des neuroimageries à des gens qui consultaient à un stade d'hébétude cérébrale après un traumatisme familial ou culturel, comme il y en a beaucoup actuellement en France et encore plus ailleurs. Eh bien, il a constaté que le cerveau était éteint. Alors, il emploie l'expression de cerveau déconnecté. Et c'est vrai que quand on voit un cerveau fonctionner, on voit des nappes passer dans une direction, vers l'occiput, si c'est une image, vers le lobe temporal, si on va parler, vers le lobe pariétal, si on touche quelque chose, vers le lobe préfrontal, si on imagine
quelque chose, si on anticipe quelque chose. Eh bien là, pas du tout. On pose une question au traumatisé, déconnecté. Il n'y a plus de circuits cérébraux, déconnecté. Donc ce que les cliniciens avaient constaté depuis Freud est confirmé aujourd'hui par la neuroimagerie et les gens sont KO debout. Or, il se trouve qu'il y a eu un virage anthropologique après la Seconde Guerre mondiale, pas tellement après la Seconde Guerre mondiale, mais surtout après la guerre du Vietnam. Au moment de la guerre de Corée, les officiers américains giflaient les soldats qui avaient peur d'aller au combat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Morel, un grand nom de la neurochirurgie, par ailleurs un homme courageux et généreux, estimait que ceux qui tremblaient au combat, ou ceux qui avaient des confusions, il y avait des camptocormies à cette époque-là. Je crois qu'on en voit beaucoup moins maintenant, mais je fais partie d'une génération où on voyait beaucoup de camptocormies, comme dans Charcot, vous savez, des positions invraisemblables comme dans Charcot. Il paraît qu'on en voit moins aujourd'hui, mais moi j'en ai vu. Eh bien, dans ces soldats-là, Morel les appelait les boches de l'intérieur et considérait que c'était des traîtres. Et pour les soigner, il leur envoyait des chocs électriques sur la cuisse, sur l'épaule. Et effectivement, on a pu constater que certains soldats préféraient repartir au front que de continuer à recevoir des chocs électriques. Donc, ils étaient guéris puisqu'ils repartaient au front. Donc, ça veut dire que le contexte culturel donne sens aux événements qu'on constate et qu'on ne sait pas expliquer. Alors, le mot « résilience » a eu encore plus de mal à naître parce que lorsqu'on a accepté la notion de traumatisme, c'était indélébile, c'était fini. Un enfant traumatisé était perdu pour la vie, ce n'était pas la peine de s'en occuper. Et en effet, puisqu'on ne s'en occupait pas, il était perdu pour la vie. Donc, on a vu une prophétie autoréalisatrice et on constate maintenant avec Charban Ionescu et avec beaucoup d'autres avec qui on travaille, Rachid vient de travailler avec nous aussi, et on constate que ces enfants sont altérés par le traumatisme, il n'y a pas de doute. Il y a le traumatisme flagrant, spectaculaire, enfin la guerre, l'agression sexuelle, l'agression physique, le traumatisme facile à comprendre, spectaculaire, et il y a le traumatisme insidieux qui délabre le cerveau encore plus sûrement. Et le traumatisme insidieux, c'est la négligence affective, l'isolement sensoriel. Et maintenant, David Cohen montre que, pas loin d'ici, à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, montre qu'un enfant précocement isolé avant la parole, un enfant isolé, cet enfant-là a une atrophie des deux lobes préfrontaux. Donc, mais alors là, la neurologie est totalement différente de celle qu'on nous apprenait il y a 50 ans. Vous vous rendez compte? 50 ans. Ça reste entre nous, ça. Vous n'êtes pas obligé de le répéter à l'extérieur. Mais enfin, il y a 50 ans, on nous apprenait que le cerveau était dans sa boîte crânienne, coupé du monde extérieur. Alors qu'aujourd'hui, on constate étonnamment le contraire, c'est que le cerveau est sculpté par notre existence. C'est-à-dire que les événements de notre vie, notre manière de parler, notre manière de se rencontrer, de s'aimer, de se disputer, sculptent une partie de notre cerveau. Alors bien sûr, il y a un déterminant génétique. Lorsque le spermatozoïde de Laïos est rentré dans l'ovule de Jocaste, ça ne pouvait donner qu'un cerveau d'être humain. Ça ne pouvait pas donner un cerveau d'hippopotame ou de méduse. Mais une fois que ça donnait un cerveau, ce cerveau humain, ce cerveau était sculpté par notre existence, les rencontres, les disputes, les amours, les conflits, la manière de vivre dans la société. Et on avait hier une réunion avec des neurologues et des anthropologues, et on a tous été d'accord pour confirmer expérimentalement et avec des images à quel point toute cette zone cérébrale est la conséquence de notre manière de vivre ensemble. Et donc, c'est le contraire de ce qu'on apprenait il y a 50 ans. Alors, voilà ici, donc, un concept ne peut pas naître en dehors de son contexte culturel. Il peut exister dans le réel, mais il n'existe pas forcément dans la représentation verbale de ce réel. Alors, voilà ici ce qui se passe. Dans les théories du chaos, on sait que Brahic, qui nous a quittés il y a quelques semaines,
m'expliquer qui est celui qui a inventé, qui a découvert les anneaux de Vénus, un grand astronome. Il nous expliquait que quand il y a un remaniement entre... C'est une loi du vivant, c'est une loi de l'univers, c'est universel. Lorsqu'il y a une désorganisation, on voit réapparaître un attracteur étrange, c'est-à-dire que le chaos est déterministe puisqu'il entraîne une réorganisation du monde vivant, ce qui est la définition de la résilience. Il ne peut pas y avoir plus simple. Or là, voilà ici, on a eu un congrès à Marseille, il y a une quinzaine de jours, où avec des géographes et des agronomes, des géologues, voilà ici un incendie. Pour ceux qui connaissent le Cap Sissier, près de Toulon, et je sais qu'il y en a qui le connaissent, il y a eu un incendie, c'était en 70, je crois. Et je naviguais en bateau à cette époque-là, je vais dire un truc affreux, c'était extraordinairement beau. Il y avait, les montagnes étaient rouges de flammes, le ciel était noir, la mer était couverte de cendres, le bateau était couvert de cendres, les oiseaux ne disaient plus un mot, parce que pour eux c'était un changement étrange, ils ne disaient plus un mot, un silence incroyable, et pendant plusieurs années, pendant 3 ans, le Cap Sissier n'a été composé que de squelettes noirs d'arbres. Et 3 ans après, 3-4 ans après, on a vu réapparaître les cystes, c'est-à-dire des fleurs roses, blanches, rouges, violettes, parmes. On a vu réapparaître les surmulots, les lapins. Donc, on a vu apparaître les aigles, dont les aigles Jean Blanc, avec une envergure de 3 mètres. La vie avait réapparu, mais ça n'était plus la même qu'avant. Définition de la résilience. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de définition plus simple si on accepte la notion de trauma et de réorganisation de l'existence. Alors, voilà ici les traumas. Là, j'ai pris un traumatisme naturel. Et on a des preuves de ce que j'avance. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui New York, Boston, Montréal, il y a eu 5 montées des eaux. 5 catastrophes, et 5 fois les eaux se sont retirées. Et on le sait parce qu'il y a les fossiles. Quand les eaux sont montées, on a vu, tout a été noyé, la faune et la flore, tout a été noyé, et quand les eaux se sont retirées, la faune avait laissé, et la flore aussi, avait laissé dans l'argile, dans le calcaire, dans la pierre, des empreintes qui montrent qu'il y avait des espèces animales et végétales différentes. À 5 fois, la vie avait disparu, puis la vie avait réapparu sous une autre forme. C'est encore une fois la définition de la résilience. Mais alors là, je suis dans la géographie, je suis dans la biologie. Est-ce que c'est vrai aussi dans l'anthropologie? Alors voilà ici, en 1348, arrive un rat à Marseille, parce qu'il y avait eu l'invention des moulins avant, et la farine était stockée. Et la farine était stockée dans les fermes, donc c'était cocagne pour les rats. Et à cette époque-là, il y a eu les croisades, et les chats avaient été ramenés d'Égypte. Donc les chats étaient chassés par les paysans, parce qu'ils pensaient que les chats étaient des représentants des Arabes. Donc il fallait persécuter les chats, puisqu'on avait du mal à persécuter les Arabes. Et on avait la preuve que les chats... s'ils étaient noirs et s'ils étaient siamois, on avait la preuve qu'ils avaient la gueule brûlée au feu de l'enfer. Donc les chats avaient côtoyé le diable, et il y a encore aujourd'hui des gens qui le pensent, qui pensent encore aujourd'hui que les chats sont diabolisés. C'est l'origine des feux de la Saint-Jean, hein, où on mettait des paniers de chats au-dessus d'une potence, les flammes brûlaient le sac en jute. Le sac s'ouvrait, les chats tombaient dans le feu, partaient enflammés dans la foule, et c'était très drôle de sauter par-dessus les chats transformés en torches. Donc ces jeux délicats-là avaient une origine anthropologique, et ils avaient une signification anthropologique. Et on voit qu'en 1348, donc, puisque les paysans chassaient les chats pour des raisons anthropologiques, de signification historique, quand les paysans chassaient les chats de la maison, eh bien les rats étaient heureux
comme en cocagne. Les chats étaient chassés, les rats étaient à l'intérieur. Et quand un rat a débarqué à Marseille en 1348, 2 ans après, un Européen sur 2 avait disparu. C'est-à-dire qu'il y avait eu une agonie de toute l'Europe en 2 ans. 1 mort sur 2. Tout le monde avait vécu dans la mort, soit dans la mort réelle, soit dans la mort d'un proche. Définition du traumatisme. Donc l'Europe entière était traumatisée. Et qu'est-ce qu'on a vu réapparaître ensuite ? Une nouvelle forme d'art. C'est-à-dire que les maisons étaient vides, 1 mort sur 2. Les maisons étaient vides. La philosophie d'existence avait changé. Le groupe n'avait plus la même importance. Ce qui comptait, c'était la survie de l'individu. Et à ce moment-là, les arts de la table, les arts de la maison, la protection de la famille a été une nouvelle valeur culturelle. Ce n'était plus le groupe qui était important, c'était la famille et l'art de vivre ensemble. Donc la culture avait été, la culture humaine avait été transformée à cause d'un rat. Et un rat qui lui-même intervenait dans un contexte technique et dans un contexte de récit. Alors, cette notion de résilience, elle est née progressivement. On en attribue la maternité à Amy Werner. Ce n'est pas une injustice parce que son travail est tellement bien fait que c'est bien qu'on lui attribue la maternité de ce concept. Mais beaucoup d'autres avaient travaillé soit sur comment rattraper les enfants. Et je pense à mon maître Lebovici, que beaucoup de gens dans la salle ont côtoyé, et qui disait, bon, d'accord, c'est vrai. Populationnellement, quand des enfants vivent dans un milieu massacré, ils ont du mal à se développer. Populationnellement, c'est vrai. Mais, disait-il, c'est pas inexorable. Si on change l'alentour de ces enfants, si on change la manière de s'occuper de ces enfants, un grand nombre de ces enfants vont s'en remettre et reprendre un bon développement. Lebovici n'avait pas employé le mot résilience, mais l'esprit était là, et le mot résilience a été employé bien avant Amy Werner, ce qui n'a vraiment pas beaucoup d'importance, tellement son travail est bien fait. Donc ça veut dire que c'est une constante de la condition, non pas humaine, mais c'est une constante de la condition du monde vivant, c'est-à-dire que tant que la vie, tant que les planètes tournent, tant que la vie existe, il y aura des tragédies. Le monde écologique change, le monde économique change, le monde anthropologique change. Notre propre monde passe son temps à changer. Je ne suis plus le même qu'à ma naissance. J'ai tout changé, j'ai changé mon anatomie, j'ai changé ma biologie, j'ai changé mon histoire, mon récit de moi, et j'ai pourtant l'impression d'être le même. Ce qui est impensable logiquement et psychologiquement, pourtant, j'ai l'impression d'avoir une identité continue alors que j'ai passé mon temps à changer. Et autour de moi, tout a changé. Les familles changent, il y a des deuils, il y a des naissances, il y a des déménagements, il y a des immigrations, il y a des mouvements de population. Donc tout change. Il y a l'écologie qu'on est en train d'abîmer actuellement. Et donc tout change tout le temps et on a ce curieux sentiment de rester le même alors qu'on vit dans un récit constant. Alors est-ce que pour expliquer ça, est-ce que on peut encore continuer à avoir des explications et des raisonnements à la Descartes. Alors, ceux qui aiment Descartes vont passer un sale moment, quelques vilaines minutes à suivre. Assassiner Descartes, il faut l'assassiner. C'est un acte moral, parce que c'est Descartes qui nous fait croire qu'une cause provoque un effet. Alors, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique surtout, c'est bien, parce que ça a permis de fragmenter le savoir. Mais l'homme, l'être humain, n'est pas fragmentable. Si on fragmente un être humain, il est mort, il ne vit plus. Alors scientifiquement, on peut le fragmenter pour savoir, pour avoir accès à la connaissance. Mais nous, praticiens, on ne peut pas fragmenter la personne qui est à côté de nous. Il faut l'accepter avec son corps, son sexe, son histoire, sa famille, sa religion, sa culture. Il faut l'accepter totalement avec ce qu'il est. On peut le fragmenter pour faire une publication scientifique. Alors, ceux dans la salle, ceux qui veulent le prix Nobel ont intérêt à fréquenter Descartes. Mais ceux qui veulent
comme votre serviteur, simplement être praticien, on ne peut pas fragmenter des cartes, même si on peut lire les scientifiques, il ne faut surtout pas les croire. Et il y a des croyances scientifiques, comme il y a des croyances idéologiques, comme il y a des croyances religieuses, il y a des croyances scientifiques. Et alors voilà pourquoi on ne peut pas vivre avec Descartes en psychologie. Déjà pour le corps, c'est déjà discutable. Braik m'expliquait que déjà pour les étoiles, il faut faire attention. Il disait, des fois, il y a un énorme bouleversement. La constellation est en bousculade complète et hop, tout se remet à fonctionner comme avant. Et des fois, il y a un autre événement, un météorite, qui arrive à un impact précis du fonctionnement du système, et ce petit impact provoque une déflagration qui bouleverse complètement le fonctionnement de la constellation. Donc déjà, chez les étoiles, chez les satellites, déjà, on ne peut pas raisonner comme Descartes. En biologie, on ne peut pas raisonner comme Descartes, puisque même si on fait une analyse fragmentaire, on sait que, par exemple, il y a des déterminants génétiques au diabète. Oh là là, regarde, il y a sur le gène, là, il y a vraiment la synchronisation du diabète ou de la chorée de Huntington. Et le type, il n'a rien. Il n'a pas de diabète, il n'a pas de chorée de Huntington, parce que d'autres déterminants sont intervenus pour compenser le déterminant génétique. Et c'est ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique, qui montre à quel point même les gènes sont constamment modifiés par le milieu et que les gènes s'expriment de manière étonnamment différente selon le milieu. Donc la notion de programme génétique est un non-sens total, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de gènes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de chromosomes. Il y en a, c'est pour ça qu'on est tous des êtres humains, mais on peut s'exprimer de manière étonnamment différente selon le milieu écologique, affectif, biologique et bien sûr socioculturel. Alors voilà pourquoi, en psychologie, il faut assassiner Descartes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rapports linéaires de cause à effet? Voilà ici une balle, et vous avez une balle de golf. Si vous avez un impact moyen, toc, vous aurez un effet moyen. Voilà ici la même balle, mais le contexte du sol a changé. Si vous tapez très fort dans la balle, vous aurez un petit effet. Il faudra taper extrêmement fort dans la balle pour provoquer un petit effet. Et à l'inverse, là, vous avez la même balle et le même sol, mais le contexte n'est pas le même. Et là, un tout petit impact aura un très fort effet. Là, Descartes, quand il a vu ça, il a été malheureux. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Alors, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas raisonner, comme même déjà sur le plan biologique, c'est difficile. Alors vous pensez bien, sur le plan psychologique, c'est encore plus difficile. Alors, on voit qu'il faut s'entraîner à raisonner en termes de système. Voilà ici un travail que j'ai souvent cité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pédiatres anglais, ou les Anglais ont payé très cher la lutte contre le nazisme, et ils ont payé aussi très cher la libération de la France, avec les Maghrébins, qu'on ne cite pas assez, mais tous les pays du Maghreb ont fait la guerre dans l'armée française pour libérer la France. Et on n'en parle pas assez. Donc il ne faut pas oublier, quand j'étais enfant, il y avait les spahis algériens, rouges et bleus, il y avait les spahis marocains, blancs et verts, magnifiques. Et ils ont joué un grand rôle dans la libération de la France, et particulièrement du sud de la France. Toulon, Marseille, ont été libérés par les armées de Delattre de Tassigny, où combattaient les Maghrébins. Donc, tout de suite, dans les années d'après-guerre, on les a encensés. C'est pour ça que je n'ai pas aimé le film Indigène, parce que dans mon souvenir, ils étaient héroïsés. Il y avait une chanson que beaucoup d'anciens dans la salle, c'est nous les Africains, nous sommes venus de loin, nous sommes venus ici pour défendre le... Hein. Bon, on les a encensés. 2 ans après, on avait complètement oublié, ils étaient exploités par l'industrie française. Et ils étaient aussi sacrifiés par les familles du sud algérien, on ne le dit pas non plus. Donc ça veut dire qu'il y avait... Mais en 2 ans, la culture avait changé. On avait oublié de leur dire merci, parce que la culture avait changé et on les exploitait au nom de l'industrie. Et avec la complicité de beaucoup de familles algériennes.
Alors voilà, ici, les Anglais, eux, payent très cher la libération de l'opposition au nazisme. Et les pédiatres anglais s'étonnent de la petite taille des enfants qu'ils ont recueillis sous les décombres avec Anna Freud, la fille de papa. Alors voilà ici une petite fille qui n'est bien entourée. Elle se développe bien et à l'âge de 5 ans, en moyenne, elle doit avoir cette taille, ce poids, et elle doit parler entre 3 et 5 000 mots. Voilà ici une petite fille, en moyenne, d'une population d'enfants pris sous les décombres de Londres, même équipement génétique, mais expression très différente du même équipement génétique, petite taille, petit poids, énorme retard de langage, donc elle va mal se socialiser. Boulby, 1951. Alors, on voit qu'on ne peut plus raisonner en termes linéaires, parce que ce qui fait la différence de taille et de poids, c'est un travail qu'on a fait à Toulon, c'est qu'on voit que ces enfants-là, insécurisés, parce qu'ils n'ont pas la niche sensorielle qui leur permet de s'endormir en toute confiance, puisque les parents sont morts ou blessés ou malheureux, et que dans les institutions, à cette époque-là, on ne savait pas s'occuper des enfants, alors qu'aujourd'hui, les familles d'accueil réalisent des prouesses et les institutions récupèrent un très grand nombre d'enfants. On a fait des évaluations à l'OSE, l'œuvre de secours des enfants juifs. On a fait des SOS en village, avec les orphelins d'Auteuil, qui est une institution catholique, et on constate que lorsque on entoure bien ces enfants affectivement, 80% d'entre eux reprennent un bon développement, ils rattrapent leur retard très rapidement, et ils arrivent à l'âge adulte, bien développés, mais pas développés comme s'ils avaient eu une famille naturelle. Ils sont bien développés, mais il y a quand même des particularités psychologiques, comportementales, qu'on commence à évaluer. Donc c'est bien, mais ce n'est pas le développement qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu le traumatisme. Donc maintenant, on commence populationnellement et biologiquement à l'expliquer. Et ces enfants insécurisés ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont peur du noir, ils ne sont pas sécurisés. Donc il y a une avance au sommeil paradoxal, qui est le sommeil rapide. Et l'avance au sommeil paradoxal court-circuite, abîme les ondes lentes qui précèdent le sommeil paradoxal et empêche la sécrétion des hormones de croissance et hormones sexuelles. Et voilà l'explication de la petite taille des enfants en carence affective parce qu'il y a eu la guerre. Donc on est loin de la culpabilisation des mères dans laquelle on a vécu pendant 20, 30 ou 40 ans. On est vraiment dans un raisonnement systémique. Ce n'est pas la mère qui est responsable de la carence affective de son enfant. Ça peut arriver. Avec les Bovici, on a vu des mères qui, effectivement, avaient des difficultés relationnelles, mais c'est l'extrême minorité. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas la mère qui est coupable du mauvais développement de l'enfant, c'est le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son mari, ça peut être la société, ça peut être sa filiation, ça peut être son histoire. Donc ce changement de raisonnement permet de changer aussi d'attitude intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à raisonner en termes probabilistes. C'est-à-dire que là, on voit que, je vais citer David Cohen, qui n'apparaît pas dans ses citations. Plusieurs enfants ont été, même chez les adultes, dit David Cohen, mais surtout chez les enfants, un enfant placé en isolement affectif au cours des premiers mois de sa vie, c'est-à-dire à un stade fortement préverbal, eh bien, cet enfant-là ne stimule plus les neurones de son lobe préfrontal. Et une des fonctions, il y a deux fonctions principales pour le cortex préfrontal. Un, c'est l'anticipation, et deux, c'est l'inhibition de l'amygdale rhinencéphalique. Or, on constate que lorsque ce lobe préfrontal est atrophié, le volume est divisé par 4, l'amygdale n'étant plus freinée est parfois multipliée par 10. Or, le socle neurologique de l'amygdale et de l'hippocampe, qui est le socle neurologique de la mémoire, l'amygdale, qui est le socle neurologique des fortes émotions,
Ça veut dire que un enfant élevé en absence de stimulation et de réassurance affective pendant des années va éprouver toute émotion, toute information, toute rencontre comme une agression. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Tu me manques de respect. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu me cherches. Les gosses élevés en carence affective que les éducateurs dans la salle ont tant de mal à apaiser parce que c'est des gosses qui nous cognent tout le temps. Et il faut que nous, professionnels, on comprenne d'où ça vient pour garder notre tranquillité intérieure, pour ne pas répondre à l'agression par l'agression, comme ça a été dit tout à l'heure. Et Peter Funaghi, avec qui j'ai travaillé à Londres, dit que ça explique les borderlines. Alors l'expression, le diagnostic de borderlines, pendant très longtemps, j'ai fait un lapsus d'oreille et pendant des années, j'ai entendu bordel lines. Et je pense que ce lapsus est pertinent comme tous les lapsus. C'est-à-dire que c'est bien ça, il y a tout. Il y a tout pour une raison bien simple, c'est que ces enfants n'ont appris à rien réguler. Ils ne régulent pas par le cerveau parce qu'il y a une carence affective autour d'eux, relationnelle. Donc, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un cerveau de débile. Le cerveau fonctionne mal parce qu'autour d'eux, il y avait la guerre, la précarité sociale, la violence conjugale, etc. Ou un drame, un accident de voiture, une maladie, etc. Un cancer, etc. Donc, ça veut dire que c'est des raisonnements systémiques. Alors là, Descartes, hein, il se suicide. C'est-à-dire que c'est des raisonnements systémiques. Alors, mais ça veut dire aussi qu'on peut résilier. On peut rééduquer ces enfants, comme le font les institutions, les familles d'accueil ou les institutions que j'ai citées tout à l'heure, et qui obtiennent des résultats presque aussi bons que la population générale, puisque eux obtiennent 80% de reprise de bon développement, alors que dans la population générale, c'est 83%. C'est-à-dire qu'ils obtiennent, ils sauvent un grand nombre d'enfants. Mais à condition qu'ils aient compris le mécanisme, à condition que professionnellement ils se forment eux-mêmes à la maîtrise des émotions et que ainsi ils puissent ne pas répondre aux enfants comme les enfants les entraînent à répondre. Alors voilà comment je propose de réfléchir à ces mécanismes-là, non plus en causalité linéaire, mais en constellation de déterminants. En constellation de déterminants. Avant l'âge de 3 ans, avant la parole, la mère est une étoile majeure de cette constellation, mais le père intervient après, parce que dans l'ontogenèse, les mères sont prioritaires, pour une raison bien simple, c'est que j'ai remarqué que quand des hommes et des femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Et ça change tout. C'est-à-dire que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est elles qui ont la priorité des empreintes. Et que le fait que le père apparaisse ensuite, comme le disait Lacan, plus que Freud, le père a une fonction séparatrice. Et que c'est bien probablement comme ça, parce que ça permet à l'enfant de ne plus être dans la prison affective de sa mère, et ça permet à l'enfant d'apprendre à aimer au moins deux figures d'attachement, la mère bien sûr, mais le père, la grande sœur, la tante. Et John Bowlby, dès 1950, contrairement à ce que lui ont reproché les féministes et contrairement à ce que j'ai vu la semaine dernière encore dans une bonne revue de vulgarisation psychologique, où on fait encore ce reproche aux théories de l'attachement, prenez John Bowlby, 1951, rapport à l'OMS, et vous verrez clairement écrit que les systèmes les plus protecteurs pour le développement d'un enfant sont les systèmes familiaux à multiples attachements. Bowlby, 1951. Vous pourrez vérifier ce soir très rapidement. Et pourtant, on lui reproche encore de tout mettre sur le dos de la mère, alors que c'est incroyablement pas vrai. C'est incroyablement... Mais arrive l'adolescence. Et là, il faut quitter sa mère et son père. Essentiellement pour deux raisons. C'est que apparaissent deux, alors les psychanalystes diraient deux pulsions, même si j'aime pas ce mot qui est un mot creux, qui contient pas grand-chose, mais apparaît le désir sexuel. Il faut quitter sa famille pour tenter notre chance et courtiser en dehors de sa famille. Apparaît la fierté de devenir indépendant socialement.
Il faut quitter sa famille pour faire des études, apprendre un métier et devenir indépendant. Or, quand la société ne permet pas à nos adolescents, n'offre pas le relais entre la famille et la socialisation, on a des enfants qui n'arrivent pas, qui sont mal accueillis par la culture, ils flottent et c'est des enfants qu'on peut prendre. Et actuellement, beaucoup de ces enfants sont pris par des gourous qui leur font croire qu'il y a une épopée à vivre en étant djihadistes. Et en fait, ces enfants sont des enfants bien élevés pour l'immense majorité d'entre eux. On a les évaluations du CNRS, on en parlait hier. On évalue en France, à peu près, une France et Belgique, à peu près 10 000 adolescents qui sont partis en Syrie. 100 psychopathes. C'est rien, personne. Presque tous sont des enfants bien élevés par des gentilles familles chrétiennes, par des gentilles familles musulmanes qui se sont bien occupés de leurs enfants. Mais comme il n'y a pas de relais après la famille, comme la culture est défaillante, elle ne prend pas le relais pour socialiser ces jeunes, ils se laissent prendre, c'est l'âge de l'engagement, ils se laissent escroquer par des gourous qui leur font croire qu'ils vont connaître une épopée en partant en Syrie. Et vous connaissez la suite, c'est-à-dire que c'est une tragédie pour eux et pour le Proche-Orient plus que pour nous. Et nous, on a les retombées. Pour l'instant, on n'a que les retombées. C'est surtout les pays arabes qui en souffrent le plus actuellement. Mais je crains que ce soit le début d'un processus. Donc voilà ici le comment je propose de s'entraîner à raisonner en termes de constellation. Et je vais terminer en disant que les récits sont tout à fait importants dans le déterminant de la résilience. Et je propose de dire qu'il y a 5 récits. Le récit préverbal, vous avez bien entendu, récit préverbal. C'est-à-dire que, comme dans Charlot, on comprend tout dans Charlot. Il n'y a pas un mot, c'est des films muets et on comprend tout. On comprend l'expression des émotions, la colère, la crainte, on comprend tout. Eh bien, nos enfants ont des récits préverbaux avant d'accéder à la parole. Si on laisse les enfants seuls, on a le récit répété, 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 le syndrome psychotraumatique quand il leur arrive une tragédie. Le deuxième récit, donc si on veut sortir de ça, il faut partager le récit. C'est-à-dire, il faut partager le récit. Or, dès l'instant où, si on partage le récit avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance, moi, immigré, je connais mal la langue, je ne connais pas les rituels, je fais des contresens de rituels tout le temps, les contresens de politesse qui ne sont pas les mêmes dans ma culture et dans la culture d'accueil. Bon, il faut me donner le temps d'apprendre. C'est des rituels comportementaux, verbaux, qui sont faciles à apprendre. Mais si on ne les apprend pas, ça déclenche une sensation. Mais qu'est-ce qu'ils se permettent ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pour qui ils se prennent ? Ils ne se prennent pas. Il faut leur donner le temps d'apprendre les rituels du pays d'accueil. Et pour ça, on a évalué à 18 mois. Mais si vous n'êtes pas d'accord, j'accepterai. C'est 18 mois pour faire un schéma de pensée. Et si je suis en présence d'une base de sécurité, j'apprendrai très vite. Si je suis en présence d'une base d'insécurité, c'est-à-dire des gens qui m'accueillent mal ou qui me font peur, je ne ferai pas ce travail d'apprentissage. Et il faut aussi accorder de l'importance au récit collectif. S'ils sont concordants, je me sens accueilli, je vais faire l'effort de m'intégrer. S'ils sont discordants, je vais être coupé en deux. Je ne peux dire que ce que ma culture d'accueil veut bien entendre, est capable d'entendre. Donc je vais avoir un clivage dont parlait Freud, et ce clivage, il est entre moi et la culture, donc je vais avoir du mal à me socialiser. Si un autre récit, c'est l'écriture, écriture soit en écrivant, soit en allant au cinéma, soit en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire remanier la représentation. Et un dernier récit, c'est le récit de la technologie, c'est-à-dire qu'on sait comment la pilule a incroyablement, alors que sur le plan technique, le blocage hormonal de l'ovulation, c'est rien sur le plan biologique, ça a eu un retentissement culturel fantastique, pas seulement en Occident, mais dans le monde entier, parce que maintenant les femmes savent qu'elles peuvent tenter de maîtriser d'être maîtresse de la fécondation, alors qu'avant, elles étaient objets. C'est-à-dire qu'on les mariait. Le ventre des femmes appartenait à l'État.
alors que maintenant, elles deviennent des personnes. Et bien sûr, ces récits de la technologie sont follement amplifiés par les réseaux sociaux qui font que maintenant, le nazisme a mis 10 ans pour se répandre. On disait que c'est une vitesse folle. En 1929, 2,6% de la population allemande était nazie. Et là, c'est une belle culture, la culture allemande. Elle a bien marqué l'Occident avec des poètes, avec des philosophes, des techniciens, des scientifiques, des musiciens, bien sûr. C'était une belle culture. Et bien, cette belle culture, en 10 ans, a surgi une des tragédies les plus honteuses de toute l'histoire humaine, des dizaines de millions de morts. Or, c'est en 10 ans. Aujourd'hui, le même travail se fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois, à cause des réseaux sociaux. Et je pense que la tragédie actuelle des pays du Proche-Orient s'explique en grande partie à cause de ça, parce que quand le printemps arabe a surgi en Tunisie, il y a eu quelques mois d'euphorie, quelques mois où on s'est dit ils vont être libres, ils vont faire une belle culture qui va leur convenir. Au début, c'était sûrement ce qu'ils souhaitaient, mais comme il n'y avait pas de programmes organisés, ça a complètement été récupéré et on sait que maintenant, ce printemps est un hiver, ou plutôt c'est un enfer de feu actuellement. Donc, voilà. Donc, je voulais dire simplement que l'homme est un élément de la nature, c'était le début de mon exposé, mais que le fait que nous, êtres humains, on soit capable de vivre dans le monde de l'artifice, de l'outil Internet et du verbe, les récits, ça nous crée un espace de liberté, puisqu'on peut le remanier, on peut se convaincre, mais ça nous crée aussi un espace de responsabilité. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, merci. Je peux demander une ou deux questions avant ou après ? Je vais le commenter, voilà. Merci. Merci Boris pour nous avoir endormis et réveillés en même temps. C'est formidable, c'est rare. Plus sérieusement, cette vision de la résilience dans le monde vivant est absolument nouvelle, bien que depuis longtemps installée dans les recherches, etc. Mais enfin, dans le discours des praticiens, je crois que vraiment ça chemine. Les notions de tuteur de résilience sont des mots qu'on entend de plus en plus fréquemment, dans une logique éducative, même parfois très précise. Les psychanalystes acceptent de parler parfois de résilience, parfois d'après-coup. Ça se fait, puisque ça devient de moins en moins antinomique, comme je crois que tu y es pour beaucoup. Expliquer, réexpliquer, bon, je veux bien, de temps en temps, tu as tes pulsions comme ça dangereuses, tu assassines Descartes de temps en temps, mais ce n'est pas fréquent. Je suis témoin que de temps en temps, tu lui rends grâce. Bon, mais j'entends la métaphore, c'est vrai. Cet éloge de la complexité que ton ami Edgar Morin fait également, et ce regard phénoménologique, vers la fin, tu nous dis quand même que il faut arrêter d'enfermer le sujet dans une explication, dans un morceau de temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut qu'on puisse éventuellement se faire une idée de la personne. Ce qui est formidable dans ce que tu nous as présenté, je vais passer la parole à la salle pour au moins une ou deux questions, je pense qu'il y en aura, c'est cette façon d'inscrire la résilience dans le vivant comme un processus de choix. Et non pas comme quelque chose qui serait un atavisme ou un discours purement biologique. Il est là, certes, mais on a toujours ce choix. Et sur ce point-là, je pense que c'était extrêmement stimulant et je te remercie en un temps si court d'avoir dit autant de choses. Est-ce que dans la salle, vous avez envie de réagir ? On a, je crois, je parle sous l'autorité de Mohamed, on a droit à 2 questions. Et je lui passe d'ailleurs la main, le micro. J'en ai un, moi, je suis un. À Paris. Oui, à Paris. Madame docteur Fafiette Jardem, il y a un micro ici. Je vais vous le donner. Bonjour.
Oui, tout d'abord, Monsieur Cyrulnik, je vous remercie de votre présence et de votre intervention. C'est un concept que je connaissais déjà, je vous ai déjà lu. Après vous avoir écouté, effectivement, on est porté par quelque chose qui est stimulant. Étant psychiatre, psychanalyste, à ce titre, je reçois des patients dont on peut dire justement que ce sont des résilients. Alors, je les reçois lorsqu'ils sont justement après avoir franchi des étapes de réussite, hein, souvent des gens en faisant comme ça un parcours rapide. Et des gens donc on peut dire brillants qui ont des réussites dans différents domaines mais qui arrivent extrêmement dépressifs c'est peut-être un pan que vous n'avez pas, c'est peut-être les conséquences de la résilience que je voudrais un peu questionner. C'est justement le travail psychique extrêmement important, lourd, qui est nécessaire à ce qu'on va ensuite étiqueter de résilient pour justement pouvoir franchir toutes ces étapes difficiles qui sont en fait qui nécessitent un clivage extrêmement important et qui fait que lorsqu'ils arrivent il y a effectivement tout un domaine qui souvent, en tout cas moi je le constate, n'a pas pu s'épanouir. C'est effectivement une réussite. Donc c'est des critères qui sont des critères qu'on valorise, hein, socialement, mais qui se font tout de même au détriment d'une souffrance extrêmement importante et de difficultés affectives qui sont quand même en toile de fond. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que je voulais un peu souligner, c'est-à-dire que effectivement la résilience permet. Ce sont souvent aussi des enfants de la toute-puissance, de manière positive, hein, qui sont justement où il y a une sorte d'inconscience aussi par rapport au danger. Ils franchissent tout ça, et puis à un moment, il faut qu'ils règlent des comptes. Voilà. Merci pour la question. Bon, je vais prendre l'autre parce que. Merci. Alors. Je pense que dans votre exposé, que je partage tout ce que vous avez dit, mais je pense que vous n'avez pas parlé de résilience et que vos patients n'ont pas parlé de résilience non plus. C'est-à-dire que quand des mots ont un succès trop rapide, comme la psychanalyse au début, on disait Freud est un pervers sexuel et les psychanalystes aussi, comme la génétique, on disait il y a un programme génétique, cette expression vous ne la trouverez jamais dans une publication de généticiens, ça n'a jamais été écrit. C'est pourtant ce qu'on reproche aux généticiens. Donc on le trouve aussi dans la résilience, où beaucoup de gens se sont emparés du mot sans connaître la définition et sans avoir lu même les articles de base. C'est pour ça que j'ai dirigé un livre qui s'appelle « Connaissance de base » pour essayer de limiter les contresens. Dans ce que vous dites et qui est vrai, il n'y a pas un mot sur la résilience. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours le même probablement que vous, donc je sais que ce que vous dites, je l'ai vécu, c'est vrai. Sauf que le mot réussite n'est pas un critère de résilience. Je pense au contraire que, comme le disait notre père à tous les deux, Papa Freud, je pense au contraire que la réussite est un bénéfice secondaire de la névrose. Papa Freud. Et je crois que c'est vrai. Donc la résilience. Alors, pour ce qui est résilience, il faut, si vous acceptez, reprendre le schéma de raisonnement que je vous ai proposé. Est-ce qu'il y a une résilience biologique ? On donne la parole dans les groupes auxquels Rachid a participé. On donne la parole à des biologistes en présence de psychologues, d'anthropologues et de psychanalystes. Et Papa Freud était neurologue. Et en présence de tous les travaux de résilience neuronale montre que c'est le temps du processus le plus facile à déclencher, contrairement à ce qu'on avait envie de croire ou contrairement à ce que disent les stéréotypes culturels. Si c'est biologique, si c'est génétique, il n'y a rien à faire. Mon œil, c'est exactement le contraire.
il n'y a rien de plus facile à modifier qu'un métabolisme biologique. Alors que pour modifier une idée reçue ou un préjugé, alors là, il faut travailler. Alors que pour modifier un métabolisme, il suffit soit d'un médicament, soit d'une relation, soit d'un travail verbal. Et maintenant, les neurologues avec qui on travaille montrent que, en psychothérapie, le cerveau s'entraîne à fonctionner différemment. On le photographie sans peine. On voit le circuit limbique que j'ai montré tout à l'heure passer au rouge. Fonctionnellement, il fonctionne différemment. Et si ça dure longtemps, ils finissent par devenir hypertrophiés. La parole a modifié la structure, la fonction et la structure cérébrale. Résilience affective. Les comportements, les éthologues démontrent sans peine que les enfants autocentrés, dès qu'ils sont sécurisés, dès que la nuit même, ils recommencent la sécrétion des hormones de croissance, la nuit même de leur première, dès qu'ils trouvent des bras sécurisants. Donc, c'est très rapide. Et on l'enregistre. S'il y a des neurologues dans la salle, un électroencéphalogramme, c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à interpréter. La nuit même, l'architecture du sommeil d'un bébé, d'un enfant sécurisé, reprend l'architecture normale pour son âge, la sécrétion des hormones suit. La nuit même. Résilience psychologique, on a les tests psychologiques à faire. Ça vaut ce que valent les tests, c'est-à-dire que c'est toujours critiquable, mais ça donne quand même un reflet. Résilience anthropologique. On travaille avec des sociologues. Les sociologues nous disent, ce groupe humain, il n'y a presque pas de syndrome psychotraumatique. Dans ce groupe humain, au contraire, il y en a énormément. Ils ont vécu la même situation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donc des critères scientifiques, manipulables, repérables, réfutables, au sens de la méthode scientifique. Et dans l'exemple que vous avez rapporté, et que j'ai entendu, donc je sais, j'ai le même témoignage que vous, ça ne parle pas du tout de résilience. Même si vos patients emploient le mot résilience, ils n'ont pas parlé de résilience. Comme vous l'avez dit, ils ont parlé de leur souffrance et ils n'ont pas parlé de la résilience. Merci. Encore une question, et sauf si nos amis de la plénière veulent laisser leur temps, ça m'étonne. Docteur Truz. Philippe Truz, médecin de l'OFI. Je travaille très fréquemment avec des demandeurs d'asile. Et mon constat clinique, c'est qu'il existe des êtres hybrides qui sont à la fois très résilients et très vulnérables. Je ne vais pas développer. Comment ma réalité clinique peut-elle rentrer dans votre cadre théorique? Merci, Philippe. Oui. Reformule, parce que parlez un petit peu fort, parce qu'il y a un petit problème d'écoute. Je vois des gens, parmi les demandeurs d'asile, qui sont hybrides, qui sont à la fois très résilients, ils démontrent leur résilience, et à la fois très vulnérables, très fragiles. Je parle plus fort, oui, je hurle. Plus fort, oui. Comment ma réalité clinique peut-elle rentrer dans votre cadre théorique? Quand on, là, vous raisonnez, c'est Descartes qui vous a fait le coup. Vous raisonnez comme Descartes, là, une cause provoque un effet. Alors, ce que je vous ai proposé à la fin de l'exposé, c'est de raisonner en termes de système. Ce que vous dites est vrai. Il y a David Cohen, entre autres, je le cite souvent tellement son travail est remarquable, et le bonhomme aussi, mais il n'est pas le seul à faire ce genre de travail. Lorsqu'il y a une privation affective précoce, le cerveau des bébés acquiert une vulnérabilité neuro-émotionnelle qui s'exprime des années plus tard au moment de la socialisation. C'est des gosses, ce que Peter Funaghi appelle les borderlines, c'est des gosses qui sont difficiles à aider. Pour les éducateurs ou les psychologues qui sont dans la salle, on sait à quel point c'est difficile d'aider ces gosses tellement ils nous cognent, ils nous provoquent, ils nous cognent. Or, cette vulnérabilité relationnelle, ils l'ont acquise au cours des premiers mois de leur vie. Ils ont acquis neurologiquement une vulnérabilité neuro-émotionnelle parce que la niche affective autour d'eux était appauvrie. Appauvrie par le conflit conjugal, appauvri par
la mort. Je pense à une patiente qui porte son troisième bébé au moment où sa propre mère démarre une maladie d'Alzheimer. Elle s'entend bien avec son mari. Elle a un métier qui l'intéresse pas trop. Son mari, au contraire, gagne bien sa vie. Et le couple s'entend. Tu continues à travailler et tu t'occupes des deux aînés. Et moi, j'arrête de travailler et je m'occupe du bébé et de ma mère. Sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant, alors que s'occuper d'une mère Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Et elle n'est pas déprimée, mais elle rigole moins, elle parle moins, elle est abattue, parce que c'est difficile, c'est douloureux, c'est pénible. La niche sensorielle du troisième bébé est appauvrie. Et elle arrive à l'âge de la parole, elle cogne tout le monde, elle ne sait pas réguler ses émotions, elle arrive à l'école, elle se dispute avec ses copains de classe, elle affronte les professeurs et elle se socialise difficilement. Dans ce genre de raisonnement, j'ai tenu un raisonnement systémique où j'ai intégré des données différentes et hétérogènes et pourtant associées, données environnementales, la niche sensorielle, altérée par la maladie d'Alzheimer de sa propre mère, mais ça peut être un conflit conjugal. La précarité sociale, Bustani nous a montré ça, la précarité sociale est tellement difficile pour les parents que la niche sensorielle est appauvrie parce que les parents sont constamment anxieux. Ils sont constamment à la recherche de qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va faire, on va nous chasser du logement, le frigidaire est vide, etc. Donc les parents sont constamment anxieux, la niche sensorielle est appauvrie, les tuteurs de développement sont de mauvaise qualité, l'enfant a des troubles cognitifs et il se développe mal parce qu'il y a une difficulté sociale. Et alors, ça peut être la guerre, ça peut être la propre histoire. Comme vous l'avez constaté, la vulnérabilité neuro-émotionnelle, la plupart du temps, elle est acquise. Parfois, elle est métabolique, ça peut être une tumeur, ça peut être une intoxication par l'alcool, la drogue, ça peut être... Mais la plupart du temps, c'est un appauvrissement de la niche pour des tas d'origines hétérogènes. Voilà, ça, c'est le raisonnement qu'on propose et qui, maintenant, sont non seulement acceptés, mais sont recommandés par les grandes instances de la recherche, CNRS, INSERM, ANR, Agence nationale pour la recherche. Et maintenant, ces grandes instances recommandent de faire des équipes pluridisciplinaires pour faire des travaux. Et parmi nous tous, les chercheurs de laboratoire, les vrais scientifiques, ont du mal à faire des équipes pluridisciplinaires, alors que nous, praticiens, on accepte ça facilement, puisque en face de nous, on a un bonhomme, une bonne femme, qu'on ne peut pas fragmenter, comme l'a dit Rachid tout à l'heure. C'est un bonhomme avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, sa culture. Et on doit, nous, praticiens, on doit intégrer ces données différentes pour chercher à le comprendre et à l'aider. Donc nous, praticiens, on accepte, la plupart du temps, on accepte facilement ce mode de raisonnement systémique comme Edgar Morin nous y a entraînés. Mais il y a des gens qui sont prisonniers d'une seule représentation, qu'elle soit biologique ou psychanalytique ou anthropologique ou religieuse ou scientifique. Les gens sont prisonniers d'une seule représentation. Et là, on a des dégâts conceptuels. J'avais un petit mot à dire, c'est que mes livres de chevet, c'est Stefan Zweig et Dostoïevski. Alors je dors en entendant leur voix et j'ai l'impression qu'ils ressemblent à la vôtre. Et je veux savoir si les joueurs de Dostoïevski et de Stefan Zweig sont des résilients, parce que je vois qu'ils ont traité la résilience avant d'être dans Le Prince. Par exemple, Dostoïevski en a beaucoup souffert, puisque lui, il n'a jamais réussi à régler le clivage provoqué par une angoisse extrême. Il tue une vieille dame à Saint-Pétersbourg pour prendre son argent. Il rentre chez lui, puis quand même, il se demande si c'est bien d'avoir tué une vieille dame. Donc, il rentre chez lui, il a des angoisses, et puis il a des angoisses de plus en plus fortes. Et puis... Il hésite à ouvrir la porte tellement ses angoisses sont fortes. Il ouvre la porte et il se voit sur son propre lit, plié en deux par l'angoisse. C'est l'autoscopie des grandes angoisses. Dostoïevski n'est pas un exemple de résilience. En revanche, Stefan Zweig, vous lisez Amok. Oui.
Eh bien, dans Amok, vous avez une explication partielle de ce qui se passe actuellement pour ces gosses qu'on escroque en leur faisant faire croire qu'ils vont faire un djihad, alors qu'ils ne connaissent pas mieux l'islam que moi, qui ne connaît pas grand-chose. Mais ils sont escroqués. Eh bien, dans la moque, vous avez un exemple comme ça. Ça se passe en Thaïlande, je crois. Je pense, oui. Par là. Médecin. Et vous avez un exemple très vivant, très bien écrit. Et je voulais seulement lire quelques pages pour le citer dans mon dernier livre, qui est remarquable, absolument remarquable. Et je voulais seulement lire, et j'ai été pris par le talent de Stéphane Zweig, j'ai lu tout en entier, donc c'est embêtant parce que j'ai perdu des heures de travail, mais j'ai gagné des heures de plaisir. Et voilà, mais c'est un petit peu son style, c'est pour cela, j'ai parlé de lui. Pas, je le remercie en votre nom, hein. Et la prochaine fois, on lui donnera plus de temps. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais appeler mes collègues, là, de la plinière, hein, qui sont la première d'entre eux, c'est docteur Annette Claveau. Hein. Vous êtes la modératrice. Je remplace monsieur le docteur Ben Saad. Il était appelé pour une raison familiale urgente, donc ça arrive à tout le monde et j'espère que ce n'est pas grave. Après, dans cette séance, on aura madame le professeur Attis Donfu, normalement elle est là, mais je l'ai vu tout à l'heure, non? Philippe, c'est à toi. Et puis monsieur le professeur Beretima, qui nous vient de Bijaya, de loin. Et puis un autre professeur, c'est le professeur Abdelhalim Beretima, il est là. Et monsieur Jamal El-Wafa, psychologue, le professeur El-Wafa. Je l'ai vu tout à l'heure. Prenez place. Madame Claudine Attis n'est pas là, non fut. Tu ne l'as pas vue? Bizarre. Eh bien, on lui donnera bonjour, enchanté. Merci encore une fois. Voilà, prenez place. Donc, comment on va faire? On va prendre le temps qu'il faut et puis hein, on prendra un petit peu de temps sur les symposiums. Vous êtes inscrit pour les symposiums. Comme ça, on gagnera du temps. Sinon, après, on les divise. Donc, voilà. À qui je donne la parole en premier? Hein? Docteur Treuze, tu étais sur ta lancée tout à l'heure. Prenez ta place. J'enlève ça. J'en avais d'autres. Je ne sais pas où je l'ai mis. Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, je suis censé faire deux interventions puisque je remplace la docteure Tran Le Lionc. D'accord. Qui est la médecin-chef de l'OFI, qui s'excuse qu'il n'a pas pu se. D'accord. Bon, mais vu qu'on a pris du retard, je vais peut-être être très court. C'était une présentation institutionnelle du dispositif de repérage des vulnérabilités. D'accord. Auprès des demandeurs d'asile. Bon, je vais être très bref, puis si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, vous me poserez des questions. Présentez le docteur Tronc, qui est le médecin-chef. Donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui joue un rôle important dans la santé des demandeurs d'asile, des migrants à plusieurs niveaux. Pour ceux que ça intéresse, je répondrai aux questions. Il y a une visite médicale obligatoire et systématique de la plupart des migrants qui rentrent en France, et on a un rôle particulier renforcé par la loi récente sur l'asile qui nous a été confiée dans le repérage des vulnérabilités pour permettre un hébergement adapté, puisque l'OFI est responsable de l'hébergement des demandeurs d'asile. Donc ça, c'était le premier sujet, mais peut-être que je peux aussi le zapper complètement si on est en retard. Je ne sais pas, c'est à Mohamed me dire. Voilà, le docteur Treuze, il a tellement d'expérience, mais vous pouvez... Ce que vous savez faire. Hein. Alors, vous pouvez parler de vos expériences. Bon. Alors, je fais quand même une petite présentation de ce dispositif, puisque tu avais invité le docteur Le Lionc sur ce sujet. Donc, c'est un dispositif né de la loi récente sur l'asile et qui intègre une directive de l'Union européenne dans la loi française qui oblige donc à repérer les vulnérabilités pour pouvoir proposer des hébergements adaptés.
Ce n'est pas parce que cette loi officialise ce rôle qu'on ne le faisait pas avant. En plus, je parle devant l'ancien médecin-chef de l'OFI, ici, docteur Vlouchka. Donc ça se faisait, surtout à Paris, un petit peu à Marseille, mais ça se faisait de manière moins formelle, moins formalisée, et en tout cas pas encadrée par la loi. Voilà, la nouvelle loi aujourd'hui, un demandeur d'asile qui arrive en France, son premier geste, c'est de se rendre dans une plateforme de demande d'asile, qui sont des structures en général gérées par des associations, les PADA. Et là, il y a une première étape administrative qui sont remplies. Et surtout, le principal acte qui est fait, c'est qu'on va prendre rendez-vous, grâce à un logiciel partagé, dans les 3 jours, impose la loi, ce qui est à peu près respecté partout en France, sauf en région parisienne, où là, le délai est plus proche de 4 mois ou de 3 mois que de 3 jours. Donc, c'est un vrai problème. Et c'est un rendez-vous qui est pris au guichet unique, une nouvelle institution aussi créée par la loi, qui regroupe les agents des préfectures, qui vont remplir un certain nombre de fonctions, on va dire, régaliennes, prise d'empreintes digitales, de photographie, attribution d'un numéro dit AGTREF, qui caractérise et qui va suivre le demandeur d'asile tout au long de son parcours. Et après, il passe devant les agents de l'OFI, l'Office français d'immigration et d'intégration, qui vont, un, faire le repérage de la vulnérabilité, deux, je vais revenir là-dessus, essayer de trouver un hébergement adapté à cette personne, et qui vont engager le processus qui va permettre l'attribution de l'ADA, l'allocation de demandeur d'asile. Parce que dorénavant, c'est l'OFI qui a repris ce rôle, qui était avant celui de Pôle emploi, de donner une allocation mensuelle au demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, donc, il va avoir ce statut jusqu'à ce que l'OFPRA et la Cour nationale de l'asile lui attribue ou pas le statut de réfugié. Et donc, il est dans une espèce d'entre-deux administratif, statutaire, pendant une période qui, aujourd'hui, est plus proche de 18 mois que des 9 mois que vise à atteindre la nouvelle loi. Je reviendrai, puisqu'après, mon intervention se déroulera un petit peu sur l'impact psychique de cet état que j'appelais d'apesanteur sociale. Lorsqu'un demandeur d'asile devant le guichet unique fait état d'un problème de santé, on lui remet un dossier médical à faire remplir par le médecin de son choix. Bon, son choix est assez limité parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore la CMU. Ça va prendre en moyenne un mois au moins pour avoir la CMU. Et donc, le plus souvent, ce sont les médecins des PASS ou les médecins des urgences. Les PASS, c'est les plateformes d'accès aux soins qu'il y a dans tous les hôpitaux publics. Et ce dossier va être rempli par le médecin et va m'être adressé sous pli confidentiel. Et moi, je vais rendre un avis médical qui va donner un ordre de priorité pour son hébergement. Bon, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place. Et je vais non seulement mettre l'hébergement de cette personne en priorité, plus ou moins élevée, et je vais aussi éventuellement choisir le lieu de cet hébergement, si par exemple c'est une personne qui a une pathologie assez complexe, qui lui ressort d'un CHU, je vais faire en sorte qu'il soit hébergé dans une ville CHU et non pas dans un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, situé dans les zones rurales françaises, comme il y en a un certain nombre. Bon, voilà la description du dispositif. Ça fait à peu près 9 mois qu'il est en place. On commence à avoir un petit peu de recul. Et ce que je peux vous dire en rapport avec le thème d'aujourd'hui, c'est que, alors, on ne fait pas de statistiques parce qu'on n'est pas autorisé par la CNIL à faire des statistiques. Donc, il n'y a aucune collecte aujourd'hui de données, même anonymisées, médicales sur l'état de santé des demandeurs d'asile. Mais avant de venir, donc, j'ai fait un petit travail sur les dossiers papier que j'ai à Marseille, puisque je couvre une zone qui va de Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Marseille et Nice. Et les pathologies mentales, au sens large du terme, en tout cas diagnostiquées en tant que telles par les médecins, ce n'est pas moi qui fais l'examen, ce sont les médecins des PASS, les médecins des CMP, les médecins des hôpitaux, les médecins libéraux, les médecins spécialistes, représentent à peu près 20% de toutes les pathologies déclarées. Donc, là, effectivement, alors 20%, c'est beaucoup, c'est peu. On en reparlera et je tendrai aussi à montrer qu'il y a, ça c'est mon intervention d'après, qu'il y a toute une pathologie moins bien claire, moins bien nosographiée, qui passe en dessous des radars,
qui est une souffrance psychique qui atteint un grand nombre de demandeurs d'asile. Mais ça, c'est l'objet de ma seconde intervention. Donc voilà, sur cette première intervention, je ne sais pas s'il y a des questions donc, sur le rôle de l'OFI récent, cadré par la loi sur le repérage des vulnérabilités. Ben, vous pouvez poser une question, puisque le docteur Truz le veut. Je vois une main et il y a un... Je ne sais pas lequel marche. Si vous venez à mon rencontre, ça facilite. Voilà. Merci. Bonjour. Alors, moi-même, je suis intervenante sociale en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et j'ai une question à vous poser. C'est, vous disiez, 20% des pathologies déclarées sont des pathologies mentales. Comment vous les diagnostiquez ? Alors, oui, gardez le micro parce que si. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui fait. Ben, je le garde. Allez. Pour ma collection. Ce n'est pas moi qui fais le diagnostic. Ce n'est pas moi qui fais le diagnostic. J'ai un rôle de... je ne sais pas quel est mon rôle. Enfin, ce n'est pas moi qui fais le diagnostic. Ce n'est pas le médecin de l'OFI qui fait le diagnostic. Et en général, clairement, j'entérine les diagnostics faits par les médecins. Alors, en pratique, donc il peut aller voir n'importe quel médecin, mais comme il vient à peine de se faire enregistrer et que le processus d'attribution de la CMU vient à peine de commencer et qu'il est très exceptionnel qu'il ait la CMU dans la semaine, il va l'avoir dans un mois, en fait, il n'a accès qu'aux passes hospitalières, aux urgences, aux CLAT pour le dépistage de tuberculose. Donc, en pratique, à peu près un tiers des dossiers médicaux qui m'arrivent sont remplis par les médecins des passes. Et alors j'ai fait déjà des rencontres avec des médecins de passe de Lyon, de Grenoble, etc. Par principe, je leur fais confiance. Je ne contre-expertise pas leur diagnostic. Et bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas senti d'abus. Je pense qu'il y a un tri qui est fait un petit peu par les médecins des passes sur le sérieux ou la gravité des pathologies déclarées, puisque je ne suis pas entré dans les détails, mais à chaque fois qu'un agent de l'OFI en guichet unique remet un dossier médical à un demandeur d'asile qui met en avant une situation médicale, il m'envoie une fiche de liaison. Et actuellement, j'ai à peu près 3 fois plus de fiches de liaison que je n'ai de dossiers médicaux qui me reviennent une semaine ou 2 semaines après. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, sans doute, les 2/3 des gens qui ont excipé d'une situation médicale et qui ont reçu un dossier médical, qui me font réellement parvenir un dossier médical. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas moi qui fais le diagnostic, j'entérine le diagnostic des médecins des passes. Si on continue comme ça, ça... Hein ? Ah, je ne t'ai pas vu, moi. Bonjour, je fais partie du collectif Santé Île-de-France, donc c'est CLS, CLSM et Atelier Santé Ville. Une première remarque, ils ont rarement la CMU au bout d'un mois, hein. C'est entre 3 et 6 mois minimum. Ensuite, au niveau des passes, il n'y en a pas partout. Donc, du coup, comment on fait quand il n'y en a pas? Et la deuxième chose, c'est quels sont les critères qui font qu'une demande d'asile ou pas est acceptée d'un point de vue médical. Alors, il y a une question ici. Oui. Docteur Vluska, votre chef. Mon ex-chef. D'il y a 10 ans. Je suis le Pompidou de l'OFI. Pompidou. Une réponse, Pompidou. Oui. Si ça m'a poussé un petit peu derrière. Je sais pourquoi tu as eu. Je savais qu'il aurait essayé de. Bien sûr, non, mais je sais exactement. Enfin, je pense qu'en plus, les gens qui travaillent dans les CADA le savent. La raison pour laquelle tu as cette discordance entre le nombre de cas et le nombre de signalements, il tient, si tu veux, structurellement à la manière dont est catégorisée la vulnérabilité. Les agents qui sont chargés de la repérer, ils ont 2 jours de formation en immersion. Donc, en fait, en repérage de vulnérabilité, ils peuvent avoir les grossesses et les handicaps physiques très visibles. Par définition, vu les caractéristiques des pathologies mentales et la souffrance, il faudrait être... J'en parlerai tout à l'heure. Hein, c'est un peu plus compliqué que la pathologie mentale. Donc, de fait, il y a un problème au niveau du repérage. Ensuite, j'ai vu la fiche de liaison. La fiche de liaison, elle est relativement sommaire. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Le grand sujet, Philippe, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que les médecins libéraux en France, je ne parle pas des médecins des PASS, mais les demandeurs d'asile, ils sont surtout vus par les médecins libéraux qui sont dans l'environnement du CADA. Ils ne savent pas remplir des certificats médicaux parce qu'on ne leur a jamais appris. Et non seulement ils ne le savent pas, mais ils n'aiment pas ça. Donc, par conséquent, ben, ils ne sont pas bien remplis. C'est pour cette raison-là que tu as une telle différence entre les deux. C'est parce que quand les gens arrivent en province et qu'ils se retrouvent confrontés aux médecins traitants, ben, les médecins traitants, ils se retrouvent avec une fiche de liaison ou un dossier dont ils ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'instructions qui leur ont été données pour ça. Voilà l'explication. Alors, voilà une explication. Merci, Marc. Vous avez encore 7 minutes, docteur Trut. Je n'ai pas fait mon intervention encore. Mais oui. Ça, c'est la première intervention. Mais oui, mais il y aura une troisième, donc faites vite. Bon, donc on va, on va passer vite. Attention, mais je tiens à corriger, il n'y a aucun rapport entre le travail qu'on fait à l'OFI, dont la finalité, c'est d'adapter l'hébergement du demandeur d'asile avec l'objet de sa demande d'asile l'obtention ou pas de son statut de réfugié qui est du ressort de l'OFPRA. D'accord ? Donc c'est parfaitement cloisonné. Les seules passerelles qui peuvent arriver, sur lesquelles parfois je suis sollicité très rarement, c'est lorsque justement, mais ça peut-être qu'on en reparlera, l'état psychique d'un demandeur d'asile est tel que son interview, c'est comme ça que ça s'appelle, devant l'officier de protection de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a rien à voir avec nous, risque de mal se passer parce que la personne ne va pas pouvoir faire son récit de manière cohérente, de manière chronologique, va oublier des choses, va avoir une attitude corporelle tout à fait décalée par rapport à l'atrocité d'un récit, etc. etc. Et donc ça, c'est le seul moment où l'état de santé d'un demandeur d'asile va influer sur sa demande d'asile. Mais attention, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le statut étranger malade, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, j'ai le micro, là, je suis là. Ici. Je suis chef de service d'un CADA dans l'Oise et je dirais que les droits d'ouverture, l'ouverture CMU, effectivement, ça met 3-4 mois. Un médecin traitant, ils n'en voient pas parce qu'il n'y a pas forcément une passe qui est disponible pour les recevoir. Il n'y a pas de médecin traitant de ville qui les reçoit non plus parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et je dirais que les pathologies, elles ne sont même pas détectées et ni envoyées à l'OFI, puisque nous, on ne peut pas remplir ces documents dans les 15 jours. Donc, on est vraiment dans une situation médicale, en dehors de la santé mentale, qui est préoccupante. Et dans les missions de l'OFI, là, actuellement, qui ont été revues par rapport à la réforme, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir une coordination régionale. Et cette coordination, elle nous manque. On la sollicite. Mais il y a un médecin pour une grande région. Vous l'avez dit, votre mission est très large. Et je me demande comment vous allez pouvoir être partout en fonction des problématiques médicales. Alors, un petit correctif. Attention de ne pas confondre ce repérage de la vulnérabilité au moment du passage en guichet unique. Marc m'a repris, parce qu'en fait, je n'ai pas le temps, je suis pressé par le temps, mais il n'y a pas que la vulnérabilité médicale, il y a aussi la vulnérabilité sociale. Et ça, c'est repéré par les agents de l'OFI, c'est-à-dire s'il y a une mère seule, une femme seule, une mère d'enfant isolé ou une femme enceinte ou un mineur, bien sûr, il y a un repérage des vulnérabilités sociales et ça, ce n'est pas médicalisé. Après, parce qu'il fallait respecter le secret médical et qu'on a été très à cheval là-dessus parce qu'on savait très bien qu'on serait très observé là-dessus, dès que quelqu'un sort un dossier médical ou dit j'ai une situation médicale, hop, le rôle de l'agent OFI s'arrête, on lui remet le dossier. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez, vous, en CADA, c'est-à-dire l'examen médical d'entrée en CADA au titre de la vie en collectivité. Je ne veux pas embêter les gens avec le détail, et ça pose un problème. Pour répondre à vous et à Marc Louchka, je pense qu'il y a des villes en France où j'ai des taux de dossiers qui viennent de médecins généralistes libéraux assez élevés. Dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne, dans des endroits comme ça, où il y a, on va dire, une tradition de médecine sociale par des médecins qui sont habitués à la précarité, ou à Marseille, où j'ai de très nombreux certificats qui sont faits par des médecins libéraux, voire même par des spécialistes libéraux. Ceci dit, il est évident que les certificats qui ne sont pas faits, je ne les reçois pas, donc je ne peux pas les commenter. Donc, il a peut-être raison.
Sinon, comment je fais? Alors, en ce qui me concerne, je bouge beaucoup. J'ai fait des rencontres à Grenoble. Je vais bientôt aller à Annecy, par exemple. J'ai rencontré les médecins des PASS de toute la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Non, on est dans les... Au centre, donc c'est Hauts-de-France, donc c'est docteur qui. Bon, voilà, il faut beaucoup se déplacer, il faut beaucoup se donner, il faut beaucoup être en relation téléphonique. Moi, j'essaie de développer des réseaux parce que ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte de repérer les demandeurs d'asile malades lorsque la maladie est découverte après leur passage en préfecture. La plupart des diagnostics de sida, de VIH, d'hépatite sont faits après le passage. Donc moi, j'ai tout un réseau de médecins, de structures qui me disent, tiens, telle personne, on vient de découvrir une séropositivité, telle maladie, un cancer. Et donc là, il faut que je fasse voilà. Pour répondre aussi à Marc qui dit les médecins généralistes n'aiment pas les certificats médicaux, moi, je suis très tolérant et j'accepte le mail, le téléphone, le fax. À partir du moment où je fais confiance à ce que me dit le médecin, où je ne contrôle pas son diagnostic, il peut me téléphoner, me dire que cette personne, elle a une tumeur du sein, je le considère comme vrai. Et ça, ça marche. Et donc, du coup, il ne faut pas non plus être trop formaliste. Philippe, oh là là, j'ai le mauvais rôle. Malgré notre amitié de 30 ans, je vais vous arrêter. Ah ouais, mais... Allez, dis deux mots. Mon intervention, là. Parce qu'il a... Oui, ah, ça a passé vite, 20 minutes. Non, mais ce n'était pas mon intervention, c'est celle du chef que j'ai remplacé. Voilà. Ah oui, mais vous avez 2 minutes. Eh bien, tant pis, je prends les 2 minutes. D'accord. Je prends les 2 minutes. Donc là, j'ai remplacé ma chef. Là, maintenant, c'est bien sûr, c'est vous. Oui. Voilà, mon intervention à moi, qui n'engage que moi, qui est... bon, c'est une théorie, une approche un petit peu théorique, il y a pas mal de postulats. C'est lié au fait que je travaille depuis de très nombreuses années sur les demandeurs d'asile. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Et en particulier, j'ai beaucoup travaillé. C'est moi qui ai mis en place avec Bertolotto les ateliers Santé-Ville en France, en 2001, par exemple, en Ile-de-France et en région PACA. J'ai été médecin territorial à la Seyne-sur-Mer, là où vit M. Cyril Nick. J'ai été consultant. Donc avant de connaître les problèmes de santé spécifique des migrants et des demandeurs d'asile, j'ai connu et j'ai rencontré les problèmes de santé, en particulier la souffrance psychique de droit commun, c'est-à-dire des précaires français ou immigrés de longue date en France. Et donc, je confirme le constat que les problèmes de santé mentale sont un problème extrêmement prévalent parmi les migrants et en particulier parmi les demandeurs d'asile qui sont sans doute parmi les plus vulnérables, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce sont les êtres hybrides qui mélangent vulnérabilité et résilience. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu par l'explication, pas officielle, mais dominante, qui est donnée aujourd'hui de cette souffrance, qui est que la plupart des demandeurs d'asile souffrent d'états de stress post-traumatique. Le SPT en français, le PTSD en français. C'est-à-dire que la souffrance des demandeurs d'asile est expliquée de manière dominante, on va dire, par la séquence demandeur d'asile égale persécuté, persécuté égale qui a frôlé ou qui a côtoyé la mort, donc qui a développé un état de stress post-traumatique et qui se révèle en France. Bon, pour tout un tas de raisons, ça ne rentre pas dans le cadre de la réalité, et en particulier, ça ne rentre pas dans les petites statistiques que je peux faire, moi, ou les vrais états de stress post-traumatique sont relativement rares. En revanche, il y a une souffrance psychique très importante. Et cette souffrance psychique, moi je suis, demain il y a Furtos. Je regrette de ne pas pouvoir être là demain, parce que Furtos, depuis 20 ans, c'est quelqu'un qui inspire ma manière de comprendre ce dont je suis témoin et acteur parfois dans les quartiers précaires en France. Et c'est lui qui a un petit peu forgé le concept de souffrance psychosociale et qui l'explique par la peur fantasmée ou effective de la perte des objets sociaux. Je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais les objets sociaux, c'est un salaire, un diplôme, un statut, c'est tous des objets concrets ou immatériels qui vous permettent de jouer dans le grand jeu des êtres humains, qui vous permettent d'être un être humain à part entière et d'avoir une estime de vous-même,
l'estime des autres, la confiance en vous-même, la confiance dans les autres, la confiance dans l'avenir. Et il est évident que, donc, vous savez que Furtos a étudié la souffrance psychosociale. Ça n'a pas de rapport avec la pauvreté, pas nécessairement. Il a étudié ça chez les traders de New York, qui sont peut-être très riches, mais qui peuvent être ruinés du jour au lendemain, et qui vivent dans l'angoisse permanente qu'il se passe quelque chose à la bourse de Tokyo ou d'ailleurs, et donc qui présentaient des troubles les mêmes qu'un RMiste ou un chômeur ou un migrant. Et donc ces objets sociaux de nos sociétés libérales, marchandes, il est évident que les demandeurs d'asile n'y a pas accès. Il y a encore moins accès qu'un précaire français ou immigré de longue date. Diplôme, même s'il en a, il n'est pas reconnu. Argent, il reçoit 10 euros par jour. Logement, il n'y a qu'un sur trois qui va avoir un hébergement au CADA. Les autres, vous savez très bien, ils sont hors CADA, CADA, UDA, ATSA. Et la reconnaissance, encore moins. Donc, je pense, moi, mais comme disait Cyril Nick, je suis un praticien, je ne suis pas un chercheur, et ça serait intéressant qu'on se penche un petit peu là-dessus, qu'une grande partie de la souffrance psychique et de tous les symptômes qui se développent à partir de la souffrance psychique soient liés à cette souffrance psychosociale de droit commun. Droit commun, entre guillemets, qui est la même que celle des précaires français. Je ne rentre pas dans le détail de la clinique de cette souffrance psychosociale. Je vais vous dire un signe classique dans lequel vous allez vous reconnaître, qui a été appelé par Furtos l'inversion sémiologique. L'inversion sémiologique. C'est-à-dire que la personne en souffrance va présenter ses problèmes de santé mentale devant le travailleur social et devant le professionnel de santé. Je vois ce que c'est. J'ai le mauvais rôle. Non, alors. C'est mon ami, je l'adore. J'ai besoin de 5 minutes, tu m'as fait faire 800 kilomètres. Bon, après, là-bas, ils vont me tuer. Alors, donc l'inversion sémiologique, on pose ses problèmes sociaux devant le professionnel de santé et on pose ses problèmes de santé devant le travailleur social, ce qui complique et complexifie les choses. Donc ça, c'est une analyse assez classique. Et comme demain, il y a Furtos et il y a aussi la psychiatre qui l'a remplacée au Vinatier à Lyon, Alima Azerou, que je pense que vous pourrez lui poser des questions. Moi, je vais un petit peu plus loin. J'ai tenté une expérience génétique. J'ai essayé de croiser Furtos avec Marcel Mauss. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Marcel Mauss, c'est l'auteur, en 1923-1924, de l'essai sur le don. Le don contre don. Et qui, c'est un des fondateurs de l'anthropologie moderne, et qui prétend que les sociétés, alors les sociétés premières, mais aussi nos sociétés, sont fondées avant l'arrivée du capitalisme et du libéralisme des échanges marchands, sont fondées sur le don et le contre-don, c'est-à-dire donner, recevoir, rendre. Donner, recevoir, rendre. Et qu'il y a un fait social global qui inclut l'économie, dans lequel le don et le contre-don font partie de ce jeu social et économique global. J'ai vécu 17 ans en Afghanistan. Et effectivement, j'ai bien une société qui, à l'époque, échappait à la société marchande et libérale, c'était bien celle-là, avec des leaders, qu'on appelle les Han à l'époque, qui sont ni des leaders héréditaires, ça n'a rien à voir avec la féodalité, ni des leaderships fondés sur la richesse, rien à voir avec la société libérale ou capitaliste. C'était des gens qui prenaient le butin. Le butin, ce n'est pas nécessairement la guerre. Le butin, c'est prendre l'aide d'une ONG, par exemple. Aujourd'hui, dans le monde du développement, le principal butin, c'est l'ONG. Et surtout, c'est la redistribuer de manière équitable. Et tout ça sans utiliser de méthode déshonorante. D'accord ? Parce que ce qui est important dans ces sociétés, c'est la réputation, l'honneur, la générosité, la protection du faible, etc. Et donc, je voulais savoir pourquoi, en automne dernier, il y a un jeune Afghan demandeur d'asile à Marseille qui s'est suicidé en se jetant sous le métro. J'ai passé 17 ans au milieu des Afghans dans la guerre. Je n'ai jamais vu un suicide. Et d'un seul coup, il vient à Marseille et un Afghan se suicide. C'est un fait qui m'a marqué et j'ai essayé de comprendre ce qui peut amener un Afghan à se suicider. Et effectivement, non seulement les demandeurs d'asile aujourd'hui n'ont pas accès aux objets sociaux de nos sociétés qui correspondent à notre système de valeurs,
l'emploi, l'argent, etc. Je vous rappelle que la plupart des demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Mais en plus, ils n'ont plus accès à leurs objets sociaux à eux. Les objets sociaux qui leur permettent de montrer qu'ils sont généreux, solidaires, courageux, etc. Donc, une double peine pour les demandeurs d'asile et qui, d'après moi, mériterait d'être explorée parce que ça pourrait expliquer pas mal de choses. Je ne veux pas rentrer davantage dans l'ethnopsychiatrie, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce fait universel de donner, recevoir, rendre, parce qu'on l'a encore dans nos sociétés. Je vous rappelle, par exemple, que tout le système d'incendie, de lutte contre l'incendie et de secours en France, ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers, est fondé à 80% sur le bénévolat. Par exemple, le don du sang n'est pas un système marchand. On est en dehors de la logique marchande. Donc on a encore comme ça des pans entiers très importants de notre système social qui sont encore dans le donner, recevoir, rendre. Pourquoi est-ce qu'on donne du sang? Parce qu'on sait que si un jour on a besoin, quelqu'un d'autre le donnera gratuitement. Alors que dans tous les pays libéraux, le sang est une marchandise qui se vend et qui s'achète. Bon. Donc, ce constat, donc, le demandeur d'asile est une personne frappée d'inutilité sociale, à qui l'on fournit un toit sommaire, une allocation modeste pour ses besoins de survie. Il n'a aucune opportunité d'exprimer ses compétences et qualités sociales. Il ne peut pas s'exprimer par le travail. Le travail est important, au-delà de la rémunération. Il ne peut pas non plus exprimer des qualités de père, mère, d'amant, de chef d'entreprise, etc., puisqu'il va être célibataire, isolé, pris en charge et sommé de ne rien faire pendant 18 mois. C'est ce que j'appelle cet état d'apesanteur sociale. Vous savez très bien que les astronautes en apesanteur, pendant 6 mois, développent des troubles somatiques importants. Et moi, je prétends que les gens qui sont en état d'apesanteur sociale, comme le sont les demandeurs d'asile, développent des troubles psychiques importants. Et que donc, à ce moment-là, la prise en charge de ces demandeurs d'asile, alors, loin de moi l'idée de dire qu'une psychothérapie ou la psychiatrie, tout ça, est inutile, mais en tout cas, je prétends que si on ne fournit pas à ces demandeurs d'asile ou à tous les migrants qui sont un petit peu dans la même situation, l'occasion de jouer avec des objets sociaux particuliers et spéciaux pour leur permettre de montrer des qualités sociales qui n'ont aucun cours dans notre société, mais qui ont cours dans la leur, tant qu'on ne pourra pas leur fournir ces objets sociaux, ils seront toujours en état de souffrance. Voilà, certains toléreront cette souffrance, ils ont une bonne résilience, d'autres tomberont dans la pathologie franche. Et ça, c'est important parce que je rencontre à longueur de journée des gens de CADA, qui sont des travailleurs sociaux. Et qu'est-ce que je vois? Je vais caricaturer. Ils passent leur temps à essayer de prendre des rendez-vous dans les CMP ou dans les services de psychiatrie. D'accord? Et leurs compétences propres, c'est pas peine de lire, je sais ce que tu as écrit, leurs compétences propres de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, n'est jamais mise à profit, n'est jamais utilisée. Ou rarement. J'aurais dû demander à Marc de présider. Le psy et que donc voilà. Donc il n'y a que voilà. Toi. Pour conclure, tu étais pas là. Je voulais vous dire que je suis de très près à Marseille, une expérience intéressante. C'est dommage parce que vous avez parlé d'atelier Santé Ville. J'avais intégré un petit peu les ateliers Santé Ville dans ma. Parce que la plupart des demandeurs d'asile sont dans des quartiers où il y a des besoins sociaux importants dans la population locale, autochtone. Et eux ont des compétences qu'on ne va pas chercher et que. Je pense que le but du jeu, c'est le travail que je fais avec certains des CADA avec lesquels je travaille, c'est d'abord de recenser les compétences des demandeurs d'asile, recenser les besoins sociaux de la population. En général, c'est déjà fait. Vous avez parlé de contrat local de santé, d'atelier santé ville. Les besoins, ils sont déjà. Et essayer de mettre en relation l'objectif. Et je sais très bien que c'est là que va être la difficulté un petit peu politique de mon postulat. C'est que je cherche à inverser. Je ne demande pas plus d'aide. Je demande la possibilité aux demandeurs d'asile d'aider les Français, de sortir de cette situation d'obligé permanent avec une dette qui s'aggrave chaque jour. Voilà. Et donc je suis de très près une expérience que fait Pompiers sans frontières à Marseille en ce moment, où on forme tout un groupe de demandeurs d'asile afghans à devenir des agents de sécurité civile, à intervenir en France en cas de petit accident comme en cas de grande catastrophe, pour donner l'occasion de démontrer leur truc. Non, le train. Mais non. Attends, il y a quelqu'un qui respecte. Merci Philippe. Mais il a écrit son texte. Il y a un texte qu'on va publier.
Donc il sera publié. En plus, il y a 4 pages, mais il va ajouter. Non, non, merci Philippe. Mais sincèrement, je suis vraiment, vraiment désolé. C'est qu'il y a des symposiums. C'est très important, mais on se connaît depuis 30 ans. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va me découvrir. Philippe, il a, c'est une mine. Il a des expériences. Mais malheureusement, on est pris. Donc on a un petit retard qu'on a pris au début. On a essayé de le rattraper. Mais tout à l'heure, Philippe, dans la discussion, il va continuer. Il va vous. Voilà. Mais il faut quand même que chacun a son dû. Maintenant, on va entrer, c'est le docteur professeur Beretima qui vient de Bijaya, donc il a pris l'avion, il a pris traverser la Méditerranée en hauteur, mais en plongeant, eh bien, il attend. Donc, le professeur Beretima, il a publié un bel article dans l'ouvrage que nous avons publié sur la santé, l'état sociosanitaire des migrants âgés. Donc, vous pouvez acheter l'ouvrage, il y a Santex, il y en a d'autres. Donc, il va nous parler maintenant. Oui. C'est à vous, docteur. Mohamed, oui. Je peux dire un mot? Oui. Ah bon. Bien sûr. Mais bon. Oui, non, je voudrais quand même bien introduire Abdel Halim Beretima, qui est sociologue et qui est enseignant à l'université Béjaïa en Algérie, qui est membre associé du laboratoire LIRIS à l'EHESS et qui va vous parler de l'exil. Le syndrome psycho-affectif du déracinement. Merci. Merci. Donc je vais m'introduire en tant que sociologue parce que j'ai écouté ce matin quelques interventions dans le champ psychique et psychiatrique, psychologique. Et comment le social, le sociétal s'invite dans le psychique de l'immigré. On ne peut pas dissocier les déterminants sociaux, l'impact social, sociétal aussi, le conditionnel sur l'état psychique de l'immigré. On a entendu Boris Cyrulnik qui a parlé de traumatisme culturel, Ben Guedi qui a parlé aussi de thérapie communautaire. Donc on est un peu toujours dans ce psychique de groupe ou de communauté. L'exil, syndrome psychoaffectif de déracinement, c'est aussi cette condition migratoire de l'exil, comment la condition de l'immigré constitue un baromètre de la réalité existentielle de la souffrance des immigrés, une souffrance subie, vécue, tout au long d'un exil entamé dans un pays socialement, politiquement et culturellement différent, indifférent. Alors, cette condition de déracinement et de l'immigré est confrontée aussi à certains paradoxes dans son quotidien, quand il est sur le chantier, à l'usine, à l'école, ou dans d'autres lieux d'interaction, de communication ou de communication avec autrui. Alors, l'immigré découvre la stratégie de sa marginalisation institutionnelle qui se manifeste par l'exclusion, le mépris ou la discrimination. Alors, il se trouve aussi face à des faits psychologiques et sociaux, des faits reçus, perçus selon des appréhensions subjectives ou objectives de la part d'acteurs sociaux, institutionnels, qui expriment une certaine forme de violence symbolique à l'égard de sa position de dominé. Alors, cette violence symbolique est souvent aussi appréhendée dans le cas de la recherche d'une légitimation institutionnelle. Et nous avons le cas des clandestins, par exemple, qui cherchent un titre de séjour, ou des immigrés déjà résidents qui souhaiteraient aussi être naturalisés. Tout ça s'inscrit dans un contexte où cette condition migratoire est aussi en rapport avec cette violence quotidienne auprès des différentes institutions, préfectures, mairies, sécurité sociale aussi. Alors, il y a aussi un impact de l'exil sur le psychoaffectif de l'immigré. C'est-à-dire, il vit aussi cette controverse entre le choix entre deux sociétés, de son appartenance, cette situation d'incertitude peut aussi avoir des conséquences sur son état mental. Il est alors confronté à la problématique donc, de son déracinement vécu consciemment ou inconsciemment à travers des expressions de son psychoaffectif. Là, les praticiens
devrait aussi traiter une demande globale de rétablissement de sa souffrance existentielle. Le psychologue, le psychiatre, l'anthropologue, le sociologue d'immigration aussi, sont tous interpellés sur la nature de cette souffrance exprimée ou intériorisée par un immigrant en désarroi. Alors, cette souffrance, elle ne peut pas aussi négliger l'environnement immédiat, donc les membres de la famille, enfants, épouses, proches, qui vivent aussi une crise psycho-affective de déracinement. Alors, le déracinement se transforme en sentiment de déperdition, déperdition de l'être. C'est que l'immigré cherche une stratégie défensive pour pouvoir contrôler ses angoisses, ses incertitudes dans une société où il ressent indifférent ou différencié. C'est une réalité qui nous révèle aussi la rupture avec le pays de départ et celui de l'installation que le sociologue Abdelmak Sayad a défini comme une double absence. Cette double absence qui provoque aussi l'éclatement de l'identité renforce la discontinuité entre son présent et son passé migratoire. Alors, on est aussi dans ce rapport de déracinement et rupture psycho-affective. Et une rupture qui s'accentue lorsque l'immigré socialement précarisé, vivant à la clandestinité, le chômage, l'accident ou la maladie, une nouvelle situation d'incertitude, incertitude existentielle, qui développe des symptômes comme la névrose, la dépression, l'angoisse, voire la folie. Un état des faits qu'Abdelmak Sayad a défini comme, ou qualifié dans certains cas, comme le cas des accidentés du travail ou de malades, comme une sinistrose, cette pathologie du blessé qui refuse de reconnaître sa guérison. Alors, quand on lui dit, dans le discours clinique ou dans le langage clinique, vous êtes consolidé, il refuse d'être consolidé, donc il cherche une réparation. C'est-à-dire, il cherche toujours cette réparation, une indemnisation qui devient aussi impossible. Donc, il fait le jugement de l'institution. Il fait le procès de ces multiples sinistres de sa condition controversée. Sa rupture psycho-affective se manifeste aussi dans le langage l'opposant aux praticiens, aux acteurs institutionnels dont la violence remplace le dialogue par faute d'incompréhension, d'entente ou par faute d'entente aussi réciproque entre les deux parties en opposition, immigrés, praticiens ou acteurs institutionnels. Cette opposition, c'est aussi une forme de lutte pour acquérir une certaine légitimité sociale ou institutionnelle. Donc, il se manifeste aussi par des expressions névrotiques, voire psychotiques, car le sens de sa revendication échappe souvent à l'autorité institutionnelle qui est censée réparer sa condition globale. Cette situation vécue, on l'observe aussi chez les réfugiés, les exilés, les immigrés chômeurs, éternellement précarisés, un immigré donc présent en tout et partout, c'est-à-dire dans les différents discours de sa distinction culturelle, ethnique, linguistique, religieuse. Il se distingue par son mental, son corps, un corps comme objet de présentation et de représentation. D'ailleurs, il l'a défini Abdelmak Sayad comme un siège de l'affect et de l'intellect, un corps comme instrument de travail, un corps comme expression de la maladie, de l'accident, de la souffrance, un corps source de toutes les identifications et interprétations, un corps devenu objet de toutes les contradictions. Alors, il existe aussi une incompréhension et des jugements subjectifs de la condition de l'immigré, parce que sa souffrance est aussi à l'origine de son déracinement, ce qui signifie une rupture avec soi-même. La multiplication de ces ruptures provoque alors l'effondrement de l'équilibre de sa condition antérieure et postérieure. Et on est aussi, cette situation n'est pas sans conséquence sur les appréhensions, les perspectives et les incertitudes des enfants d'immigrés. Et là, on se situe un peu dans la réalité de la société française. Est-ce qu'il existe vraiment une transmission du syndrome de l'exil aux enfants d'immigrés? Donc je pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une transmission, un héritage? La société est profondément touchée par les derniers attentats commis par des jeunes désœuvrés, entraînés par une idéologie de l'extrémisme, de la haine. Alors on se pose la question, faudrait-il s'interroger sur les raisons de l'identification de ces jeunes, issus de l'immigration, à leur culture d'origine, à leur appartenance ethnique, communautaire ou religieuse? La cristallisation des rapports sociaux dans des banlieues clôturées, voire stigmatisées, n'encourage-t-elle pas la ghettoisation de ces enfants? Ou est-ce qu'ils cherchent aussi une distanciation
référencés par le repli ethnoculturel, le vestimentaire, religieux, l'extrémisme doctriné, les identifications qu'animerait la culture de l'adversité, un choix opposé aux valeurs de la culture dominante. Pour répondre à ces interrogations, j'évoque trois controverses en rapport avec le déracinement. La controverse politique, c'est-à-dire il s'agit ou s'agit-il de problèmes politiques que poserait la socialisation de ces jeunes ? Existe-t-il une réciprocité entre appartenance ethnique et culturelle et participation, identification politique ? Ceci poserait la problématique aussi de la reconnaissance identitaire et institutionnelle que revendiquerait ce jeune d'immigrés à travers les différents discours politiques. Comment peut-on appliquer aussi ou attribuer la naturalisation dans une société qui a du mal à définir la pluralité ethnique et raciale de ses citoyens ? Il y a aussi la controverse sociologique. Là se pose la question de la nature ou les stratégies de socialisation. Est-ce que le rôle de l'école a vraiment joué sa mission d'intégration socio-professionnelle, par exemple ? Existe-t-il vraiment un problème de socialisation ? Donc, face au paradoxe de la discrimination, on devrait chercher aussi à comprendre si l'école républicaine s'est limitée à l'étape de l'obtention de diplômes ou son rôle s'est limité aussi à des niveaux un peu limités pour des jeunes qu'on a orientés vers des filières de professionnalisation. On se rend compte que le diplôme n'est pas vraiment l'ultime étape de la réussite socio-professionnelle de ces jeunes d'immigrés. Ils se retrouvent aussi dans un espace social régulé par les discours controversés sur l'intégration, l'assimilation, l'insertion. Un constat qu'on fait sur la légitimité ou l'illégitimité de l'appartenance de ces jeunes et de leur famille à la société française. Alors, un jugement renforçant les ruptures psycho-affectives du déracinement. La troisième controverse, elle est anthropologique. Et là, nous sommes amenés un peu à la réalité amère de la société française ou de la société mondiale, comme il a évoqué tout à l'heure Boris. Lorsque les jeunes expriment leur attachement à l'origine d'origine, c'est pour défendre peut-être une appartenance ethnique ou communautaire à travers la cristallisation de leurs rapports sociaux que produit aussi la culture de l'adversité. La société française vit actuellement de profondes mutations, des transmissions. Les différents discours ont fait de la socialisation des immigrés et de leurs enfants un thème inadapté à la réalité que vivent les minorités. Nous nous demandons aussi s'il existe vraiment un modèle politique pour épargner ces immigrés et leurs enfants du déracinement. La réponse se trouve dans la nouvelle réalité de la société française. Il existe toujours des catégories sociales attachées à des repères d'identification culturelle, religieuse et sociale, des repères souvent la conséquence de la précarisation, de la discrimination multidimensionnelle qu'on peut, comme il l'a évoqué tout à l'heure Boris, la définir par ce vide entre la famille et la société. À cela s'ajoute la crise institutionnelle de reconnaissance, une crise alimentée actuellement par les discours ayant trait à la problématique de l'appartenance nationale des minorités ethniques. Les différents discours ont-ils eu un impact sur les enjeux de socialisation des immigrés et leurs familles ? C'est ainsi que le déracinement ne peut être dissocié des paradoxes de l'identification des immigrés dans une société en crise. Alors, le déracinement et son rapport avec l'identification culturelle ou cultuelle du radicalisme. Pourquoi, plus précisément, le radicalisme religieux ? On constate que les parents déracinés ne disposent plus de modèles à transmettre à leurs enfants. Il existe aussi une rupture intergénérationnelle ou transgénérationnelle parce que les pères, symboles de respect et d'autorité, ont démissionné. Les parents ne peuvent plus transmettre la moralité de l'éducation d'excellence. La discontinuité inter- ou intragénérationnelle a fait de ces jeunes désœuvrés une proie pour les idéologies radicales et extrémistes. L'idéologie islamiste propose donc la solution radicale, c'est-à-dire se détruire ou détruire l'environnement, son existence considérée comme virtuelle. S'opposer à la créativité, ce n'est que le refus de l'innovation, des progrès, de la modernité. Ce refus n'est-il pas vraiment une conséquence de ce déracinement transgénérationnel ? Eh bien, la réponse est que le déracinement a provoqué la crise identitaire de ces enfants et d'immigrés, une crise aussi qui a fait l'affaire aujourd'hui des recruteurs des idéologies extrémistes et porteurs ou des idéologies porteuses de haine dont l'objectif recherché est plus politique que religieux. Je peux conclure pour dire que l'exil des immigrés
se nourrit de déracinement et multiplie les ruptures psychoaffectives avec soi, avec autrui, sans pour autant garantir la structuration de la condition migratoire. Et merci de votre attention. Tu présentes notre chère. Il y a peut-être des questions. Après. Deux questions à la fin des interventions. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est juste après qu'il y aura des questions. Donc maintenant, je donne la parole à Jamal Elouafa. Voilà, Elouafa. Oui. Elouafa est enseignant-chercheur de psychologie clinique et sociale à la faculté de lettres et sciences humaines de Rabat. Et donc membre du laboratoire de recherche et d'études psychologiques et sociologiques, la REPS. Je vous présente. Et donc, vous allez nous parler de sentiments de solitude, de souffrance psychique et isolement chez les résidents retraités marocains dans les foyers d'Adoma. Merci. Merci, madame. C'est un article de lui dans cet ouvrage. Voilà. Merci, Mohamed Mbarki, pour l'invitation. Donc, l'intitulé de mon intervention, c'est le sentiment de solitude, souffrance psychique et isolement dans les foyers chez les résidents retraités marocains d'Ilon, dans les foyers d'Adoma. Donc, ce sont des Marocains qui ont immigré dans les années 60-70 par demande de la France et par l'installation des bureaux d'immigration au Maroc. Donc, ils ont commencé à travailler ici dans ces années-là, dans des conditions difficiles. Ils étaient recrutés surtout dans la région du Sousse par un ancien sergent français qui s'appelle Félix Moura. Ils étaient recrutés dans des conditions très, très, très difficiles. Même le trajet de cette immigration, c'était très difficile. Et en même temps, avec l'arrivée en France, ils ont habité dans ces foyers-là, dans des conditions très précaires. Donc, je ne peux pas vraiment parler de tous les axes de ma communication parce que l'article sera publié. Et surtout, Mohamed, il a insisté que je ne parle que sur les axes. Donc, mon étude s'appuie surtout sur 30 personnes. J'ai étudié l'entretien semi-directif avec des questions ouvertes et sur une population de 30 personnes. Je vais rentrer directement dans le traitement des axes, c'est-à-dire le premier axe, la précarité économique, sentiment de solitude et souffrance psychique dans le foyer. La raison principale de cette immigration, c'était la précarité économique au Maroc. Et je cite une citation d'un Marocain, il a dit que « Je suis venu en France pour travailler, gagner de l'argent, on n'est pas riche au Maroc. » Ce sont des hommes célibataires parce qu'ils ont laissé leur femme dans le bled. Et ils ont vécu jusqu'à maintenant parce que statistiquement, il y a plus de 100 000 presque hommes qui vivent dans ces foyers-là, d'origine algérienne, marocaine. J'ai rencontré même des Espagnols et des Turcs. Donc, ils ont fait des choix de ne pas faire le regroupement familial et on a qu'ils n'ont pas vraiment avoir de regrets par rapport à ces choix-là et on a maintenant qui regrettent de ne pas vraiment avoir fait ce regroupement familial. Donc, il y a vraiment, parce qu'avec l'avancée en âge, il y a vraiment des regrets de la culpabilité chez eux, et surtout concernant leur projet migratoire, parce que le projet, au début, c'était réussir un projet migratoire, mais à la fin, ils se trouvent avec une retraite précaire de 300 à 400 euros, avec un logement qui coûte un petit peu cher. Et en même temps même, je me souviens à l'époque du premier gouvernement de Jacques Chirac, il y avait le ministre Jean-Louis Borloo qui a insisté que ces gens-là passent plus de temps dans leur pays d'origine, mais pour des raisons administratives, ces gens-là font des allers et retours. Donc, pour les immigrés marocains, l'exil, le mal du pays, les conditions douloureuses de la vie, en France, des accidents du travail, c'est le maktoub. Toujours, il dit, c'est le destin, notre destin, c'est ça. On n'a pas vraiment arrivé à améliorer nos conditions de vie. C'est ça, le destin pour eux. Ce mot signifie pour eux la résignation totale devant les difficultés, l'insuccès et le coup du sort.
Donc, les conditions de ces immigrés dans les foyers, ce sont des conditions précaires, misérables et très difficiles, mais elles remercient toujours d'avoir cet espace de 7,5 mètres carrés, même si quelqu'un dit que cette chambre ressemble à une tombe. Donc, il y a vraiment cette image, ces représentations de cette chambre-là. Ils vivent dans une situation de précarité, dans un habitat toujours non adapté, parce que ce sont des logements qui ne sont pas vraiment adaptés au vieillissement, c'est-à-dire ne sont pas vraiment gérontologiques. Ultérieurement, il y a eu la transformation des foyers de Sonacotra à des résidences sociales, mais ça coûte vraiment cher. Maintenant, on a vu quelques dizaines de résidences. Donc, la pauvreté de nombre d'entre eux a participé à leur isolement, à leur mauvais état de santé psychique et psychologique. Toujours le physique est lié au psychologique. Et il y a un repli sur soi qui s'entend comme protection par rapport au monde extérieur. Ils vivent vraiment d'une manière très difficile et il y a la souffrance surtout au niveau sexuel. La vie sexuelle coûte cher chez ces résidents-là. Il y a aussi des accusations entre eux dans les toilettes qui trouvent parfois du sperme dans les toilettes parce qu'il y a une souffrance sexuelle. L'entraide entre les résidents vraiment est très limitée parce qu'au niveau de leur installation, elle était très solidaire, mais avec l'avancée du temps, c'est moins en moins. Au niveau des parcours professionnels, ils ont connu un parcours professionnel divergent et une situation professionnelle précaire. Ils ont connu une grande mobilité professionnelle et géographique parce qu'ils ont sillonné la France, parce qu'ils ont participé partout, même dans les départements d'autres mers. Ils ont bougé partout. Donc, cette situation est précaire et ils connaissent vraiment des situations économiques très difficiles parce qu'il y avait des licenciements ultérieurement. Avec la crise économique et avec l'ouverture de l'Europe vers d'autres pays, ils connaissent cette crise économique parce que les entreprises recrutent des Européens de l'Est et elles ont cassé pour eux le marché de l'emploi. Donc, cette situation, c'est une source de souffrance et peut amener l'immigré à une profonde dépression puisqu'il ne peut plus donner aucun sens à son immigration parce que l'immigré sans travail, c'est un immigré sans vie. Par rapport à l'état de santé, donc ils vivent une santé précaire, une fragilisation physique et psychologique. Leur âge est un indicateur qui conduit à sous-estimer leur vieillissement. Et on a constaté un cumul d'atteintes à du vieillissement précoce chez ces immigrés, ayant occupé des postes fortement exposés à des diverses catégories de risques professionnels, parce que j'ai rencontré des gens qui ont travaillé dans les mines. Donc, il y a vraiment des maladies à cause de cette poussière-là. Ils sont coincés dans ces foyers-là, comme le dit un résident, même moi je suis épuisé par cette vie coincée ici en France, nous sommes comme des voitures, de vieilles voitures qui ne bougent plus depuis des années. C'est notre situation, le travail est tout pour nous. Donc la santé est effectivement un des critères de maintien en France car les résidents retraités sont bien souvent malades ou invalides. Ces résidents ne prennent contact avec le corps médical que lors de graves situations. Je ne vais pas vraiment citer toutes les maladies que j'ai rencontrées. Et je vais aussi citer seulement un cas que j'ai rencontré, Mohamed, qui ne fait pas confiance au système de santé français. Pour lui, les médicaments et les piqûres correspondent à la fin de vie. Il a eu une déformation au niveau de son visage. Selon lui, le Satan l'avait touché. Dans la tradition islamique, la maladie est envoyée par Dieu qui invite les musulmans à la patience et à l'endurance. Et c'est pour ça qu'il a fait des allers-retours entre la France et le Maroc pour qu'il puisse avoir un imam dans la région de Sousse. Donc il a refusé toute cette modernité au niveau de la médecine ici en France, mais il a préféré de faire les allers-retours entre les deux pays. Donc parmi les souffrances chez cette catégorie, c'est la souffrance de ne pas vraiment avoir
pris la décision de rentrer définitivement au Maroc. C'est la souffrance qui concerne aussi leur retraite précaire. C'est la souffrance par rapport à leur état de santé qui est fragile. C'est la souffrance qui concerne l'éloignement familial. Et ça, c'est la souffrance en même temps et la réflexion quotidienne dans la question de la mort. Parce qu'ils réfléchissent tout le temps par rapport à leur destin, quand et comment vont être enterrés. C'est pour ça que la majorité des résidents font une assurance de rapatriement avec des banques marocaines ici, parce qu'il y a cette préférence et au retour à la terre d'origine, au retour à la mer, dans son village. Donc tous souhaitent cette bonne mort. Et merci. Voilà, avant d'aller dans le symposium, hein, dans le premier, vous restez ici. Les autres, hein, c'est des salles juste à côté. Pour nos deux intervenants, au moins deux questions. Hein. Alors, la première, je vois quelqu'un qui lève la main. Ah, la deuxième, elle est là. Qui devient première, parce que j'avais... Elle est là, le docteur Mohamed Ahmed. Ahmed Mohamed, pardon. Oui, merci. Juste, ce n'est pas une question, mais un questionnement sur l'exil, qu'on le voit toujours du côté psychopathologique. L'exil peut être aussi dans le sens de la créativité. Et moi, à un certain moment de mes recherches, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de la psychopathologie, mais actuellement, je travaille sur l'exil et créativité interculturelle. Voilà. Merci. Il y a le professeur Berettima qui veut dire un mot. C'est-à-dire je ne donne pas à... pour exil, que tu ne me prennes pas trois heures. Non, exil dans le contexte de la santé mentale, je pense qu'on est un peu dans une catégorie de dominés, c'est-à-dire demandeurs d'une réparation ou d'un rétablissement de soi, de son identité. Et il y a l'exil, il y a diaspora aussi. Donc il faut définir les concepts. Parce que l'exilé, même des intellectuels exilés qui vivent une certaine précarité, les opposants politiques aussi, c'est des exilés qui vivent une certaine précarité politique, persécution, menace, etc. Donc, si on s'inscrit un peu dans le constat de santé mentale, on est un peu dans l'immigré en souffrance. C'est vrai qu'il y a d'autres situations d'exil, hein. Diaspora iranienne à Los Angeles, il y a aussi diaspora cubaine en Floride, il y a Libanaise au Brésil. Donc après, il y a d'autres définitions de l'exil. Mais comme on est malheureusement dans le contexte de la santé mentale, on est un peu dans cette situation de souffrance. Merci. Donc, moi, je peux dire un mot. Bien sûr. Oui, il y a aussi... là, on voit le côté négatif de tout ça, hein, le côté difficile, catastrophique. Et je voudrais dire que pour les Chibani, ils pouvaient absolument pas repartir au Maroc, en particulier au Maroc, parce que l'État leur confisquait leur retraite. Donc, ils ont réussi quand même, après avoir essayé, tenté, ils ont réussi à conserver leur retraite tout en repartant au Maroc. Donc, on peut comprendre qu'ils ne pouvaient pas repartir au Maroc, ça c'est clair. Mais je voudrais dire aussi que l'exil, c'est aussi quand on a envie, quand on est dans un pays et qu'on n'est pas bien dans ce pays et qu'on va dans un autre pays, ça peut être très positif. Heureusement, je veux dire, ça peut être très positif. Là, ce qu'on voit, c'est effectivement les situations où c'est imposé. C'est-à-dire qu'on est obligé de quitter son pays alors qu'on était bien, que ça se passait bien, et tout d'un coup, brutalement, on est obligé. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a tout un système qui se met en place et qui est vraiment, qui d'ailleurs nous amène à la dépression. Donc c'est vraiment le système qui fait que on n'accepte pas profondément d'avoir quitté son pays. Mais par contre, si on a décidé, moi je l'ai vécu, je suis partie à mes 5 ans avec mes parents, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, je suis partie du Maroc, j'avais 5 ans. Et on a vécu, on est allé tout de suite sur la Bassie, et ça s'est hyper bien passé.
Donc, ça dépend effectivement de la possibilité, enfin, du départ. Je crois que tout se fait au départ. Donc, il est clair que quand même, je voulais vous demander une chose, c'est que, on est dans un monde, dans la mondialisation. On va de plus en plus passer d'un pays à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans un pays à un autre? C'est automatiquement négatif? Je ne crois pas. Donc, voilà. Bon, je me pose cette question. Donc, il y a une question. La der des der, parce que... Ah, la der des der, il y a une ici. Oui. Le temps est trop limité pour discuter de votre question, parce que un jaune, un asiatique qui vous entend raisonner, un noir qui vous entend raisonner et un blanc qui raisonne sur l'exil, je ne sais pas si c'est la même chose. Et tout dépend de ce qu'il a été le pays dans lequel il est exilé. Ça, c'est... Mais je voudrais rappeler justement, parce que ça m'est passé dans la tête, un vers classique, je crois, parce que quand même Victor Hugo a été un grand exilé. On n'exile personne. L'exil est impie. Merci. L'exil est impie. Impie, d'accord. Merci, professeur Talleyrand. La der des der, parce que je ne veux pas frustrer, mais en même temps, vous posez des problèmes, parce que les symposiums, ça attend. Il faut qu'on part au symposium. Alors, vite fait, pas d'intervention, une question. Et je me rapproche pour te répondre. Je parle rapidement. Oui. Fatima Thévenin, je suis psychologue clinicienne. Moi, j'ai trouvé très intéressant la question du donner, recevoir et rendre. Je le vois avec les patients que je suis. Et en effet, à partir du moment où il y a quelque chose dans leur vie quotidienne, et je pense à une patiente qui s'était enfermée dans la religion, et elle me disait, en même temps, elle avait développé une phobie en arrivant en France, une phobie sociale, et elle me disait, mais heureusement que j'avais le rituel. En fait, elle s'est rendue compte que le fait d'avoir les prières, tout ça, ça lui avait donné un sens, et progressivement, en pouvant faire des choses à l'extérieur, c'est-à-dire dans la thérapie, comprendre qu'il y avait... il y avait du possible, c'est-à-dire qu'elle redonnait du sens et progressivement, la vie revenait. Et je trouve que cette question-là que vous avez abordée est intéressante parce que peut-être que justement, dans ces objets sociaux dont ils n'ont pas accès, il y a peut-être là quelque chose à créer pour remettre du lien. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai même proposé au docteur Philippe Truze de développer cette question, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, et je me suis excusé auprès de lui, mais on va faire des séminaires à Migration Santé. On a des journées d'études, en plus des colloques. Il y en a qui sont venus, je vois quelques-uns. Et on a des séminaires. On fait un cycle de séminaires, et je vous invite. Donc, chaque mois, on fait un séminaire. On choisit un thème, par exemple, ce que vous venez de citer. Et puis, on fait plusieurs intervenants, et on peut être ici, où il y a une salle à côté, ou chez nous, à Migration Santé. Mes chers amis, avec votre autorisation, je peux clôturer cette séance. Vous voulez dire un dernier mot, professeur Beretima, professeur Jamal? Parce qu'ils sont venus de loin et on ne leur a pas donné. Moi, je suis gêné comme vous. Alors, mais le temps, malheureusement... Non, j'espère seulement que les actes des colloques seront publiés, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment nécessaire pour parler. Et je vous remercie beaucoup, c'est tout simple. Voilà. Je tiens à vous dire, vous savez, c'est grâce à nos publications, parce que vous avez vu, si vous achetez le numéro, eh ben, ça nous rend un grand service. Dans les librairies, il est à 39 €, et il est à Migration Santé à 23 €. Donc voilà, 23 €, vous allez vous en sortir. Donc maintenant, il faut courir dans vos ateliers. Demain matin, venez un petit peu tôt, pour qu'on ne sera pas un petit peu gêné. Ah, il y a une question, pardon, il a le micro, le monsieur, aussi. Ah non, il a... D'accord, non, j'avais cru qu'il a un micro alors que c'est sa veste. Voilà, donc demain un petit peu à l'heure, parce qu'il y a l'entrée qui prend du temps. Il y a le café, il est là-bas au fond. Le matin, ceux qui viennent le matin, on pose le café là-bas au fond. Quand vous rentrez, c'est à gauche. Voilà. Il y a un micro, bravo. Merci. J'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette séance avec
Christine Théodore, avec qui on a déjà rodé le numéro de duettiste, qui est psychanalyste, anthropologue, linguiste avant tout, et qui travaille à Villevrard. Et donc la séance va porter sur la prise en charge des migrants et les parcours de santé. On va essayer d'animer tous les deux, de faire une petite introduction. Je suis vraiment désolé, mais je les ai prévenus, mais comme on a la chance d'avoir un intervenant qui n'est pas là, nos intervenants auront un peu plus de temps que prévu. Je leur avais dit 10 minutes par intervention, ils auront une douzaine de minutes. Voilà. Et Francis Théodore interviendra comme joker, comme discutant, et on va essayer de faire la règle de 10 minutes d'intervention, une ou deux questions après chaque intervention, et garder un quart d'heure de discussion générale après l'ensemble des interventions. Bon, moi j'ai un petit mot de présentation, mais je le ferai après. Oui, je voulais juste te présenter. Donc, Bernard est un grand militant de la santé mentale et puis un grand militant de la formation. Moi, c'est comme ça que je le connais. Donc, c'est sous cet angle-là que je vais le présenter. Je le suis un peu partout dans un certain nombre de formations, à la fois sur le terrain, dernièrement à Créteil, ou dans des U, des masters, des formations à Paris 5. Moi, je le connais pour sa grande implication autour des questions de santé mentale et autour des questions de formation des personnels de terrain. Voilà. Moi, j'avais pas. Bon, alors, on m'avait bien entendu proposé d'intervenir. J'ai décliné. Mais j'ai quand même envie de raconter un truc, une histoire, parce que j'aime bien raconter des histoires. Et que c'est bien de commencer par des histoires, même si c'est des histoires un peu difficiles à entendre et difficiles à vivre. Bien, c'est l'histoire d'un gamin de 18 ans qu'on a croisé dans le centre de consultation de la passe externe de Créteil, c'est le centre de consultation de Créteil Solidarité, qui est une association qui a maintenant 30 ans, qui est ouverte pour faciliter l'accès aux soins des publics vulnérables et qui a été reconnue en 2011 comme passe externe. Donc on a parlé beaucoup ce matin des passes, on est une passe. Et dans le cadre de cette passe, on a vu un gamin de 18 ans qui vient de Côte d'Ivoire, qui vit seul en France, qui parle bien le français, qui, à l'âge de 13 ans, quand la guerre éclate, est enrôlé comme enfant soldat. Il décrit ça comme très, très dur, comme des souvenirs violents. Et il dit que ça le marque au quotidien et que tous les jours, il ne peut pas ne pas y repenser. Qu'il n'en parle pas. Et que s'il retourne au pays, il sera tué. Il a fui en 2014. Un grand frère tunisien l'a accompagné en disant qu'il partait en vacances et puis il a abandonné en Tunisie et puis il a réussi à venir en France en 2015. 2015, il se retrouve seul, sans papier. Il arrive à faire une demande d'asile qui est rejetée. Et il a fait un recours au parquet de Créteil qui est en attente de réponse. Il arrive à bien que dormant à la rue, mangeant ce qu'on lui donne et ce qu'il peut trouver. Il arrive à s'inscrire dans un lycée avec l'aide d'un professeur qui l'amène à une formation professionnelle qui suit aujourd'hui. Il dit que c'est bien parce que il n'y a que ça qui compte. Il va en classe et il veut surtout pas être différent des autres. Il se lave, il s'habille proprement, il mange ce qu'on peut lui donner. C'est-à-dire il profite d'être dans un établissement de formation pour manger à la cantine. On lui a donné une carte de cantine. Il y a un ou deux profs qui le protègent. Il y a un prof qui le protégeait beaucoup et qui l'accompagnait, qui a été muté dans un lycée professionnel, qui l'a inscrit en formation pro de menuiserie à Choisy-le-Roi. Il est en stage de menuiserie. Il trouve ça très bien. Il a des copains. Il joue au foot. Mais la nuit, il est à la rue et il ne sait pas ce qu'il mangera le lendemain. Alors, il est venu chez nous parce que il s'est fait une entorse en jouant au foot. Donc, pas de problème de santé majeur, sauf son histoire, ce qui est inscrit dans sa tête, sa souffrance au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai bien entendu pas les réponses, mais des comme ça, on en a plein. Ouais, c'était juste, je crois qu'on est en plein au cœur de ces histoires-là, et que c'est ces histoires-là qui nous amènent à être ici aujourd'hui, à travailler ensemble, tous. Des pistes de solutions, je ne sais pas. Bon, on verra si on peut. On a ouvert une demande d'AME. Je crois que ça ne sera pas très simple. Voilà où on en est. Donc,
c'était juste pour lancer la problématique avec un truc, une vignette comme ça, qui, moi, m'a vraiment très touché. Et on passe la parole à notre premier intervenant, qui a un PowerPoint, qui est affiché. Le premier PowerPoint, s'il vous plaît. C'est... Non, c'est pas celui-là. Awad Fouati, qui est anthropologue et ethnopsychologue. Je lui passe le micro avec plaisir. Une douzaine de minutes. Tiens. Alors, je vous mets le chrono. Ouais, c'est difficile. Je vais vous aider. Oui, bonjour. Ça va être difficile parce que 10 minutes, c'est vite. Mon propos, c'était double itinérance ou la dialectique d'un parcours de soi inachevé. Je m'interroge sur les questions de la santé, de l'accès à la santé, du parcours de santé, pas pour l'ensemble des migrants, mais pour une catégorie de migrants, disons des gens à partir de 40 ans, et de ceux qui sont à la retraite, et de ceux qui arrivent à la retraite, et que l'on nomme les Chibani, ou, parfois on oublie, les Chibaniettes, c'est-à-dire que les personnes qui vivent leur vieillesse au sein de leur famille. Je ne vais pas traiter des réfugiés, parce que ça ne serait pas 10 minutes, mais ça serait une heure, des réfugiés de la misère, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'Afrique au sens large, qui fuient la situation et qui fuient les dictatures, ni ceux que j'appelle les réfugiés de la guerre ou de la violence, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'autre côté et qui a d'autres pathologies, d'autres situations que ce matin ou tout à l'heure, leur situation a été évoquée. Pour moi, la question de la migration ou la question plutôt des migrants par rapport à la santé, il y a une sorte de double, une dialectique, une sorte de double situation. Le migrant, comme les gens l'ont dit tout à l'heure, lui, dans sa problématique de nécessité de soins, et en demande de soins, à la fois physiologiques, de corps, et en demande de soins psychologiques, avec des guillemets. Mais on ne peut pas parler de migrants au sens large, mais, comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit, si on parle du migrant maghrébin, le rapport au corps n'est pas le même que si on parle du migrant africain, et plus particulièrement les gens d'Afrique de l'Ouest. Le rapport au corps est un rapport important, parce que le sujet soigné, ou le sujet qui veut se faire soigner, tout en refusant parfois le soin, parce que le diagnostic qu'on lui propose, qui est un diagnostic scientifique quand il s'agit des pathologies connues, ne lui convient pas. Ne lui convient pas parce qu'il est réticent, ou parce qu'il rejette, ou parce qu'il y a une question de méfiance. Non, il refuse parce que lui-même, il a une lecture culturelle du soin. Lui-même, il a une démarche. Lui-même sait que tout ce qui a rapport au corps, il sait quelles sont les résonances. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, pour les Marocains, le problème de la piqûre, par exemple. Piquer quelqu'un, dans certaines sociétés, c'est positif, parce que ça donne de l'énergie. Dans d'autres sociétés, ça fait l'effet contraire. C'est-à-dire, c'est introduire un élément qui va vous troubler. Et chez le maghrébin, la santé, elle est toujours vue de façon linéaire, et c'est la biomédecine, c'est normal. Mais le maghrébin, pour lui, la santé, il y a le corps pour lui. Et sa santé s'exprime dans une sorte de géographie corporelle. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre somatique et qui peut renvoyer à la douleur, à la souffrance, tout ce qu'on veut, du point de vue psychique, s'exprime par le corps. J'ai mal à la main. J'ai mal au cœur, j'ai mal au foie, renvoie à une cartographie qui, lui, a là dans sa tête. C'est-à-dire, on ne peut l'aider
si l'on comprend cette situation-là. Quant au, si on prend le migrant de l'Afrique de l'Ouest, pour le migrant de l'Afrique de l'Ouest, il y a une dichotomie entre la maladie et le malade. La maladie est un élément qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire soigner quelqu'un, c'est extirper la maladie. Alors comment faire avec cette vision-là quand on est un médecin de la biomédecine? Je croyais qu'il venait pour m'arrêter. Alors, c'est vrai que la situation de la migration et le soin, il y a une double contrainte, c'est-à-dire la nécessité pour le médecin ou le psychologue d'aider le migrant, mais le médecin ou le psychologue n'a pas cette profondeur culturelle. Idem pour le migrant qui veut se faire soigner, mais qui, pour lui, tout ce qui est traduction du diagnostic, il ne le comprend pas parce qu'il ne trouve pas des adéquations. Par conséquent, on se trouve devant deux personnes, le soignant et le soigné, qui se respectent, qui, pour en général le migrant, dit oui à tout, tel, mais la conséquence, c'est pourquoi est-ce que ce migrant ne suit pas son traitement. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas confiance, entre guillemets, à la médecine? Pourquoi est-ce qu'il va de médecin en médecin en disant non, c'est pas tout à fait ça, moi j'ai la vérité. Et la vérité, c'est le médecin qui l'a, bien entendu. Mais la vérité, c'est une question de communication. Comment expliquer? Comment trouver dans la culture de l'autre des éléments qui vont faire le lien entre mon diagnostic, entre la pathologie et ce qui fait référence dans l'inconscient ou dans le conscient de ce migrant. Tout à l'heure également, je saute du coq à l'âne hein, parce qu'on est pressé, tout à l'heure on a parlé de la situation de l'exil et du migrant. Pour le migrant, Sayed a parlé de double absence. Bien entendu, c'est une double absence, c'est-à-dire que je suis dans un pays que corporellement et psychiquement, je suis dans l'autre pays. Et idem, quand je vais dans mon pays d'origine, je suis également fracturé entre deux choses. C'est-à-dire mon esprit est là-bas, mais mon corps est là. Mais dans les migrations, il y a deux types de migrants. Il y a l'exil, celui qui est exilé et qui reste exilé, c'est-à-dire celui qui subit le ghorba, le départ, et qui essaye de faire, de construire un vécu dans le ghorba, c'est-à-dire dans l'exil. Mais il y a ceux qui sont seuls et ceux qui sont nommés comme zofri, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme des errants, ceux qui sont sans attache, ceux qui sont seuls, c'est-à-dire ceux qui même s'ils ont des attaches, même s'ils ont des liens avec leur famille, symboliquement, ils sont dans le vide. Ils ne sont pas ici, mais ils ne sont pas non plus là-bas. Quelqu'un me disait que quand je suis en France, mon esprit est en France. Mais mon cœur n'est pas en France. Quand je suis en Algérie, mon cœur est en Algérie, mon esprit est en France. Et il m'ajoute ça, je dis mais ça se soigne, et il m'ajoute le cœur sans l'esprit, ça ne peut pas fonctionner, l'esprit sans le cœur, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, il me dit deux points, je suis dans l'errance, je cherche à m'unifier. Alors, comment faire? Comment répondre
à cette demande, de quelle manière répondre à cette demande qui est une demande problématique. Et la question aussi du soin se pose aussi pour ceux que tout à l'heure quelqu'un a évoqué, ceux qui sont dans les foyers. Les foyers que certains nomment qabar, c'est-à-dire un caveau. Je suis, dans leur langue, ils disent je suis rani, je suis falqabar, c'est-à-dire ma chambre, c'est mon caveau, caveau vivant. Ces gens-là qui vivent sous la forme et sous la situation de célibataires, ils sont célibatirisés, c'est-à-dire qu'ils ont dans une situation où ils n'ont autour d'eux aucun lien avec leurs co-religionnaires, aucun lien avec la société et très peu de liens avec leur famille. Et quand ils partent dans leur famille, ils sont reçus comme des invités. C'est-à-dire même leurs enfants les reçoivent comme des invités. Car ils sont déconnectés. Leur culture, leur idéal culturel ne fonctionne pas dans la culture d'origine ni dans la culture française. Ils sont dans l'un, ni dans l'un, ni dans l'autre. Par conséquent, dès qu'ils dépassent le temps de l'invitation, qu'est-ce qu'on leur dit ? C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas il faut partir. On évoque la question de la santé. Il faut que tu partes en France, parce que tu pourras ainsi te soigner. Oui, la santé devient quelque chose du point de vue célibatérisé, quelque chose qui est de l'ordre ici du soin, là-bas de l'ordre de l'exclusion. Vous voyez, si on ne comprend pas cette dualité, on ne comprend pas ce rapport à la santé. Alors, il me reste combien de temps ? Voilà. Voilà, alors je vais conclure. Hein. D'accord. Alors, je vais conclure. Hein. En un mot, je dirais qu'il y a une double itinérance entre un désir de soin, mais un frein, car la question de la finalité se pose. Pourquoi se soigner ? Quand je pose la question à des personnes, disons, j'ai donné l'âge de 40 jusqu'au Shibani, je leur dis, il faut vous soigner, etc. La question, c'est comme, on dirait que c'est un slogan qui est parti, ils me disent, je cite, ouvre les guillemets, à quoi sert ? Je dis quoi ? À quoi sert quoi ? À quoi sert ? Car, pourquoi se soigner ? Ça va me servir à quoi ? C'est-à-dire, de quelle utilité ? Je vais me soigner. Quel est mon statut, quelle est ma place, quelle est ma fonction. Tout ça s'est écroulé. Par conséquent, je me soigne, oui, au-delà d'un certain nombre de limites. Mais quand même, il y a cette contrainte entre le désir, de façon, d'aller voir le médecin pour se rassurer. Pour se rassurer, je dis bien que le soin, c'est pour se rassurer et non pour se soigner. Il y a cette double contrainte qui est un malentendu, bien sûr, et je citerai quelqu'un, aucune guérison n'est complète si une relation par la parole ne s'installe pas pendant les soins et après entre le malade, le médecin et ses proches. C'est de Édouard Zévarian, Les Jardins de la Folie. Voilà, c'est bon ? De toute façon, seulement c'est bon, mais c'est très bon parce que tu avais encore une minute. Merci. Donc, ton texte sera envoyé, il sera disponible sur le site. Un grand merci. Peut-être une question, une seule, d'explicitation, de complément d'information dans la salle, une seule. Puis Francis, qui est notre joker. Oui, merci. Je suis vraiment très sensible à ce que vous avez dit par rapport à la cartographie du corps. Je travaille en gériatrie et vous savez que dans le domaine de la gériatrie, c'est très important de travailler sur ce qu'on appelle les effluves du corps. C'est-à-dire, nous travaillons sur
la question de l'analyse du corps, les excréments, les pipis, le caca, donc tout ce qui touche les odeurs et tout ce qui touche donc de l'ordre de l'analyse. Et donc c'est très important parce que le corps du migrant, il est migrant, mais il a toujours une mémoire. Et il y a un très beau livre qui a été écrit par une écrivaine algérienne qui s'appelle Ahlam Mostaghanmi, qui s'appelle La mémoire du corps. Merci. Je pense que chez la personne migrante, à partir d'un certain âge, la question de la pudeur saute. C'est-à-dire que son corps, tout ce qui est, de toute façon, originellement, tout ce qui est excrément, etc., le sujet, il en a, il touche ses excréments, etc., il touche, il palpe ses... Mais à partir d'un certain moment, il confie son corps à un tiers, et c'est-à-dire c'est celui qui s'occupe de son corps, c'est bénédiction pour lui, c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe, qui rend service à l'autre. Et l'autre, il est en dette vis-à-vis de celui qui le lave, etc. Par conséquent, le rapport, à partir d'un certain âge chez les Maghrébins, et même chez certains Africains, la question du corps, elle est ouverte. Ce n'est pas le cas chez les Asiatiques. Ce n'est pas le cas chez les Asiatiques. C'est chez les Asiatiques, autant au début, c'est-à-dire leur corps, il est mis à disposition quand ils vont chez un médecin, etc. Mais à partir d'un certain âge, c'est plus possible. Un extérieur ne peut pas toucher le corps. Il faut que ça soit quelqu'un de leur famille. Oui, c'est ça. Francis, commentaire libre. Moi, j'ai trouvé votre intervention intéressante. Elle évoque des compléments. C'est-à-dire la première question, je pense qu'on peut observer un certain nombre de personnes âgées non immigrées, ce qui peut être tout à fait rare d'ailleurs, certains endroits, qui vont présenter des pathologies tout à fait particulières. La deuxième chose, je le ferai avec humour, vous êtes en train d'interroger ma vision de la géographie, parce que moi j'ai toujours considéré que le Maghreb faisait partie de l'Afrique. C'est une revendication nationaliste. Je suis né au Cameroun et je considère vraiment que vous ne pouvez pas vous séparer. C'est un individualisme pas acceptable. Troisième point qui est tout à fait important, c'est de rappeler qu'effectivement, le discours du corps, lorsqu'il est apporté dans un contexte où il y a difficulté de fonctionnement psychologique ou psychiatrique ou psychopathologique, suivant l'abord qu'on va en faire, est quelque chose qui va au-delà de la signification pure, et que d'autre part, elle renvoie aussi à la linguistique, c'est-à-dire elle renvoie effectivement à ce que quelqu'un peut nommer, parce qu'il est évident qu'à travers les différentes langues, différentes cultures, quand je parle du cœur, ça veut dire tout à fait des choses différentes. Pour compléter, c'est vrai que, par exemple, pour un maghrébin, le corps, il est la géographie, c'est-à-dire la cartographie du psyché. C'est-à-dire, dans les sociétés maghrébines, il n'y a pas de narration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbalisation. On ne parle pas, on métaphorise les choses. On métaphorise, il y a des paraboles, etc. etc. Par exemple, une mère me disait l'autre jour, j'ai plus de nerfs. Il faut aller voir un médecin. Elle me dit, non, j'ai plus de nerfs. Alors, je savais ce qu'elle voulait dire, mais je dis, il faut voir un médecin. Elle me dit, tu ne comprends pas, tu fais semblant. Alors, après, je lui ai dit, tes enfants sont partis. Elle me dit, oui, tous mes enfants sont en Angleterre. C'est-à-dire qu'elle faisait une déprime parce que ses enfants... Regardez, elle se trouve devant un psychologue, il lui dit, j'ai plus de nerfs. Alors, elle lui dit, tu comprends. Et je voudrais ajouter tout à l'heure quelque chose, quelqu'un qui a parlé de racines. Je pense que c'est une notion, chez la migration, en tous les cas pour les enfants de la... qu'on appelle les deuxième, troisième génération, les racines, c'est l'asl. Et c'est une notion qui, dans le Maghreb et chez les familles maghrébines, n'existe plus. Pourquoi ? Parce que l'asl est lié au clan et il est lié à la tribu.
n'y a plus de grandes familles tribales qui veillent, etc. Par conséquent, tout à l'heure, quelqu'un a parlé qu'il n'y a pas de transmission de valeurs, etc., etc. Parce qu'il n'y a plus ce système-là qui était, les gens sont plus liés, sont liés à leur famille, et la notion de asl, et quelqu'un me disait, je n'ai plus de asl, c'est-à-dire je n'ai plus de racines nulle part, c'est-à-dire je suis inscrit dans n'importe quel espace, en dehors de quel, dans aucun espace. On va juste vous interrompre, on fera ça après. Après, désolé. On aura du temps pour les échanges après. Justement, on accélère pour que vous ayez le temps d'avoir une discussion avec Francis Théodore. Monsieur Marc Vluxka, alors je vais vous présenter. Vous êtes conseiller médical auprès du directeur général France Terre d'Asile. Peut-être vous allez pouvoir, tout le monde ne connaît peut-être pas Terre d'Asile, présenter un petit peu. Moi, je connais, mais... On va peut-être envoyer le PowerPoint à ce stade. J'ai eu une carrière assez longue qui va bientôt s'achever dans le domaine de la santé publique, et je me suis consacré sur les 15 dernières années, un petit peu plus même, à la santé des migrants, et plus spécifiquement sur celle des demandeurs d'asile et des réfugiés. C'est pourquoi je vais vous faire une intervention qui va être peut-être un petit peu moins théorique, et qui sera, on va dire... un petit peut-être même carrément un peu militante, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui, à l'heure actuelle, est particulièrement préoccupant. On envoie le premier. J'en profite pour... je ne sais pas s'il y en a qui sont ici dans la salle, pour dire que je voudrais quand même dire qu'actuellement... Boulevard de la Villette, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent tous les jours à la fameuse permanence d'accès aux demandeurs d'asile dont on parlait tout à l'heure et dont on avait l'air de dire qu'elle fonctionnait très bien. Bon, je peux vous dire qu'elle fonctionne comme elle peut, parce qu'il y a dedans des gens qui y travaillent et qui sont soumis à de grandes tensions. Comment ? Il n'y a pas d'autre image sur... pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Hein, c'est bien. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que je l'ai vérifié avant et il y avait toutes les images. On s'adapte, oui, ça va être pris sur mes 12 minutes. Ouais, d'accord. Donc, la permanence d'accueil qui boulevard de la Villette reçoit actuellement tous les jours des gens qui sont dans une extrême déréliction, qui couchent devant pendant toute la nuit pour être sûr d'être reçus le matin. C'est difficile, c'est dangereux, parce qu'il y a des personnes qui se bagarrent, parfois avec des armes. Un autre point d'accueil, on a fait l'autre jour un dépistage de la tuberculose parmi les personnes qui le fréquentaient. On a fait une centaine de dépistages, on a trouvé trois cas. La même prévalence appliquée à la population française, ça ferait comme si on avait en France 1 800 000 cas de tuberculose. Et en réalité, on en a entre 5 et 6 000. Donc ça donne l'idée de ce que c'est la précarité en matière de santé des personnes qui sont dans la demande d'asile, avec un problème sérieux dont je voulais vous parler. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Je savais bien que j'avais tout mis. Alors, en santé publique, qui est ma spécialité, on commence toujours par dire quelle est la position du problème. La position du problème, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle, il faut que j'appuie là-dessus pour passer à la suivante. Bien. Les personnes persécutées présentent des pathologies spécifiques liées à leur situation personnelle, mais il y a aussi des pathologies non spécifiques. Pourquoi ça mérite d'être souligné ? C'est parce que quand vous êtes demandeur d'asile, bah, vous avez été a priori persécuté, et forcément ça a laissé des traces, à moins que vous n'ayez une résilience extraordinaire. Beaucoup de personnes ont de la résilience. C'est d'ailleurs ça qui les amène à traverser les mers dans les conditions qu'on sait pour arriver à faire quelque chose, ce dont quoi certains hommes politiques voudraient les blâmer. Mais il y a aussi le fait que ce sont pour la majorité de jeunes hommes,
Donc, on retrouve chez eux les pathologies les plus fréquentes chez les jeunes hommes, c'est-à-dire les pathologies mentales et en particulier les pathologies du registre psychotique, puisque c'est le point, c'est là qu'on les rencontre le plus. Il y a évidemment la difficulté de repérer les uns, de diagnostiquer les autres et de faire la part des choses. Oui. Alors, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Merci. Ça aboutit, parce que moi j'aime bien la théorie des ensembles. Moi j'avais trouvé ça magique quand on a commencé à introduire ça pour les enfants, ça explique tout. Les problématiques de santé mentale chez les demandeurs d'asile, ça fait appel à trois concepts: la persécution, la transplantation et ce qui n'est pas spécifique. En d'autres, c'est-à-dire la persécution, ce que vous avez subi, la transplantation, simplement le fait de changer d'un pays pour venir dans un autre, puis ce qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire les pathologies mentales que vous présentez, parce que vous êtes simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme jeune, et puis aussi parce que les pathologies mentales, comme toutes les pathologies, ça arrive. Donc ça vous donne des zones de risque, et évidemment, au milieu se trouve la zone de risque maximale, celle sur laquelle se concentrent les problèmes. Et malheureusement, quand ils se concentrent sur le plan humain, c'est tragique. Quand en plus, il s'ajoute à ça des difficultés qui tiennent à la géographie et à la démographie, ça devient carrément difficile. On peut passer à la suivante. Merci. Les caractéristiques communes qu'ont tous les problèmes de santé mentale qu'on rencontre chez le demandeur d'asile, c'est qu'il y a une expression particulière. On vous en a beaucoup parlé, mais je le confirme. C'est vrai que selon les cultures, ça ne s'exprime pas de la même manière. Il y a un problème qui est la barrière de la langue. Et on aura l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas un petit problème, parce que avoir un problème de pathologie mentale, quand on est étranger et qu'on est dans un endroit dans la France reculée, dans lequel il y a déjà un problème d'accès aux soins et qu'il y a en plus un problème de barrière de la langue, c'est difficile. Il y a, je regrette d'être polémique, des questions d'école de pensée dominante en matière de psychiatrie en France. Je m'étendrai sur le sujet et je n'ai pas peur de répondre là-dessus. Il y a une inadaptation fondamentale du système de santé français à ce type de pathologie, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à les accueillir, et il n'a pas fait ni l'effort conceptuel pour s'y adapter, ni du côté des pouvoirs publics, l'effort humain nécessaire en termes d'organisation et de moyens pour arriver à y répondre. Et en dehors de Paris, où il y a des gens qui travaillent beaucoup et où il y a des associations spécialisées, bah, les solutions sont extrêmement limitées. Suivant, merci. Les trois composantes de la vulnérabilité sont donc le pays d'origine, la précarité et le fait que vous soyez dans une situation d'asile. Vous venez d'un pays dans lequel il y a un certain nombre de problèmes qui se concentrent. Vous avez vécu pendant très longtemps en attendant de passer au fameux guichet unique, dans la rue, dans la promiscuité, dans la violence, parfois dans des conditions encore pires que ça pour les femmes. Et il y a en plus le fait que quand vous êtes intégré dans la démarche de demande d'asile, bah à ce moment-là, il y a des difficultés supplémentaires qui surviennent. Et évidemment, comme d'habitude, les zones de risque qui sont concentrées. On continue. Il y a des facteurs aggravants. On a parlé tout à l'heure sur les problématiques de souffrance, de santé mentale. C'est le fait que les fameux guichets uniques sont complètement déficients pour le repérage de ces problèmes-là. Pourquoi sont-ils déficients? Ils sont déficients parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Les personnes qui sont chargées de faire le repérage bénéficient d'une mise à niveau et bénéficient de ce qu'on appelle des stages d'insertion qui durent 2 heures dans différentes associations. Ça les rend capables de dire qu'une personne est handicapée, ça les rend capables de voir qu'une personne est enceinte, ça les rend capables éventuellement de recevoir un discours de plainte, mais après ça, il y a à le transmettre. Et
à ce moment-là, arrive le second facteur aggravant, qui est la politique des pouvoirs publics, qui consiste à faire en sorte que le maximum de personnes soient hébergées en province et ne restent pas à Paris. C'est une logique qui est respectable. On peut comprendre le fait qu'il n'est pas question de concentrer à Paris et dans la région Île-de-France des difficultés qu'on peut pas traiter. Le problème est que si on les envoie dans des endroits dans lesquels on peut encore moins les traiter pour d'autres raisons, à ce moment-là, on se retrouve dans cette situation paradoxale d'avoir proposé une orientation et d'avoir à revenir régulièrement sur cette orientation parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est inadaptée. Donc je pose la question, ne pourrait-on pas faire un petit travail conceptuel pour qu'elle soit mieux adaptée avant, ce qui signifierait qu'il vaudrait mieux faire comprendre par les personnes qui sont dans les guichets uniques la spécificité des pathologies psychiatriques qu'on rencontre chez les personnes qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés, dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Je dis un mot sur le fait que tout ce qui concerne le dossier étranger malade vient en aggravation de ce problème-là pour deux raisons. La première raison, c'est que pour certains responsables politiques, le fait de mettre en avant les problèmes de santé chez certains migrants, cela signifie qu'ils vont se servir de tout ce qui est étranger malade, des lois étrangers malades, un petit peu comme étant une cour d'appel par rapport à l'échec d'une demande d'asile. Et ça fait malgré tout qu'ils ont une tendance à regarder certaines pathologies éminemment subjectives, comme le sont les pathologies mentales, en mettant en doute ce que les personnes peuvent dire, parce que justement, ça ne rentre pas dans leur schéma contextuel, et ça va même le heurter. Voilà pourquoi, par exemple, il y a des décisions non dites qui consistent à dire « Vous ne pouvez pas déposer en même temps un dossier étranger malade et un dossier d'asile, parce que les deux dossiers s'annulent, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous ne pouvez pas avoir fromage et dessert. » Or, on peut très bien être un demandeur d'asile et avoir un problème de maladie tel que, de toute façon, on est justiciable de soi en France, et ce n'est pas, c'est pas quelque chose de contradictoire avec la demande d'asile, et c'est même pas complémentaire. Donc il faudrait arriver, là aussi, à pouvoir traiter les deux problèmes séparément. Les particularités régionales que je rencontre, je suis allé voir toutes les structures de Français d'asile un peu partout en France, c'est que l'offre de soins en matière psychiatrique, elle est clairement insuffisante partout sur le territoire, avec des régions dans lesquelles elle l'est plus encore. Et la sectorisation psychiatrique aboutit en plus à aggraver les inégalités territoriales. Il y a un effet pervers, et ça je voudrais bien insister là-dessus, qui est à moyen et long terme, c'est le ciblage des intervenants les plus motivés. Parce que partout, on trouve des gens qui sont prêts à se défoncer et à trouver des solutions pour les demandeurs d'asile et pour les immigrants en situation irrégulière, et pour les personnes qui sont précaires, et pour les personnes qui sont en difficulté. Le problème, c'est que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, et leur barque, elle est chargée, 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 et il arrive un moment dans lequel ils sont soit confrontés au burn-out, soit, bah, tout simplement, ils sont tellement saturés de demandes qu'ils n'arrivent pas à les traiter. C'est pour ça que je suis extrêmement méfiant quand on me dit qu'il faut les faire passer par telle structure spécialisée, type PASS et tout, parce que d'abord, la PASS, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour les personnes qui sont en situation irrégulière et les demandeurs d'asile. Théoriquement, 15 jours après leur demande d'asile, ils devraient bénéficier de la CMU, donc ne pas ressortir de la PASS. Mais dans les faits, voilà ce qui se passe. Et évidemment, dans certaines régions, il y a une absence d'histoire locale, d'accueil de l'étranger. Tout le monde n'est pas le Chambon sur Lignon dans la Haute-Loire. La suivante. Donc voilà un peu comment je vois le guichet unique à l'heure actuelle en matière de repérage des difficultés psychiques. Bon, c'est un mélange d'absence d'informations, d'isolement, la sectorisation. Tout ça se mélange. C'est tout un système d'engrenages contradictoires qui font que le demandeur d'asile, il est là-dedans. Et s'il a un véritable problème psychique, il va avoir les plus grandes difficultés à le faire émerger au moment clé de sa demande, c'est-à-dire celui pour lequel, au moment où on pourrait faire quelque chose.
le suivant. Là où je suis probablement, parce que ça tient à mes anciennes fonctions, le plus amer, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est un problème qu'on ne connaît pas. C'est un problème qui a été documenté. Alors, des rapports, des études, des sujets, y compris commandés par le FI, je le sais, c'est moi qui les ai commandés, par l'équipe de Furtos, on sait tout sur ce sujet. Je suis en train, là maintenant, d'enfoncer des portes ouvertes et de dire des choses qui sont parfaitement connues. Comment se fait-il qu'alors que ce problème est parfaitement connu, on ait monté un système de repérage des vulnérabilités et qu'on n'ait pas véritablement tenu compte de celle dont on savait que c'était la plus fréquente parce qu'il y avait des rapports dessus. Donc la question est de savoir, c'est ou bien on ne lit pas les rapports, c'est possible, ou bien on n'avait pas vraiment envie de prendre en compte ce problème parce qu'il allait complexifier l'ensemble du dispositif. Et je conclurai en disant que il ne faut pas s'en prendre uniquement au pouvoir public. C'est clair qu'il y a eu des problèmes de mésusage au niveau des structures, en particulier lorsqu'il y a eu la réforme de la santé et la création des ARS. Personne n'a compris qu'on avait changé d'épure et qu'on serait plus et que le système DAS-DRAS, non seulement il était fini, mais que le schéma, l'organisation n'était pas la même. Et que donc, il fallait nouer des relations avec les personnes qui étaient désormais responsables de ça. Et ça, c'est clair, ça n'a pas été suffisamment fait. Je passe sur le fait que certaines associations ont, à mon avis, je vais dire un mot très fort, un peu instrumentalisé la question des étrangers malades et que ça n'a pas vraiment aidé à la résolution des problèmes de santé des demandeurs d'asile parce que ça a quelque part renforcé la position des pouvoirs publics et sur leur envie d'en faire un grand mélange. Voilà. J'espère avoir été à peu près complet et je vous remercie de votre attention. Marc, un grand merci pour la clarté de ta présentation. Un grand merci pour avoir respecté le temps qui t'était imposé. Tu es dans les clous, parfait. Une question peut-être d'explicitation, de complément d'information, puis la parole à notre grand témoin. Une fois, je vois personne. Deux fois. Trois fois, c'était clair, dit mon voisin, c'est vrai que c'était clair. Merci encore Marc. Trois fois, ah oui, une. Tu te présentes si tu veux bien. Vous présentez si vous voulez bien. Oui, Fafia Djardem, psychiatre. Je voudrais, en fait, c'est simplement une petite question, là, vu donc ça fait un peu cheville ouvrière, là, la personne qui est au guichet. Ma question, c'est au niveau de sa formation. Quelle formation ils ont, les personnes qui sont au niveau du guichet? Et quel pouvoir, enfin, voilà, je ne suis pas arrivée à me représenter, connaissant pas bien ta question. Bien sûr. Alors, je ne suis absolument pas mandaté pour parler au nom du ministère de l'Intérieur. Vous vous en doutez bien. Hein, donc je vous décris comment ça fonctionne. Dans le guichet unique, qui est la structure par laquelle doivent passer toutes les demandes d'asile depuis la réforme de l'asile, il y a à parité des personnels préfectoraux qui sont là pour s'occuper, comme le disait Philippe Truss, des problèmes régaliens, l'identité, les papiers, la création de documentation. Le fichier européen, parce que si vous êtes entré dans un pays de l'Union européenne qui a signé la Convention de Dublin, et que vous avez été enregistré à cet endroit-là, c'est dans ce pays que vous devez faire une demande d'asile, et votre demande d'asile ne peut pas être accueillie dans le pays dans lequel vous vous présentez. Et les agents de l'OFI sont là pour prendre en charge les problématiques sociales, notamment le versement de l'allocation, trouver un hébergement et repérer les vulnérabilités médicales, avec évidemment ce que je vous ai dit sur les limites que je trouve extrêmes à ce dispositif, et dont je vais encore une fois dire que j'estime qu'il n'a pas été pensé pour ça. On a sûrement considéré que ce n'était pas un vrai problème, ou bien que ça allait trop complexifier le problème de l'hébergement, parce que c'est exact. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'hébergement des demandeurs d'asile, c'est le problème numéro un, hein, à l'heure actuelle. Donc,
pour ne pas avoir de problèmes supplémentaires, on a fait en sorte qu'il soit le plus rapidement possible envoyé là où il y avait de la place, quitte à après revenir sur cette orientation. Le problème, c'est qu'une fois que l'orientation est faite, il est extrêmement compliqué de revenir dessus. Je vais vous donner un exemple clinique. C'est une famille qui se trouve dans une ville de Normandie dans laquelle il n'y a personne qui s'occupe de leur... Ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas l'anglais, ils parlent l'arabe égyptien, c'est des chrétiens. Donc pour eux, quand ils voient arriver une personne de l'équipe locale qui parle arabe, mais qui parle arabe tunisien ou marocain, et qui est en plus et musulman, comme en plus ils ont été mais vraiment persécutés gravement avec quelqu'un de leur famille qui a été tué, bon, comprenez qu'on devient paranoïaque, pour moins que ça. Donc ils s'enferment de plus en plus dans cet isolement. Le directeur du CADAM a appelé pour développer toute l'histoire de cette famille, comprendre comment s'était passée cette dynamique familiale extrêmement complexe dans laquelle le fils aîné s'était retrouvé en position de père avec un père déchu, etc. J'ai fait pour le médecin coordonnateur de l'EFI un rapport de 8 pages à partir d'une fiche de liaison qui normalement laisse 5 ou 6 lignes pour expliquer le cas. Rien dire de plus. Ils ont donné une suite favorable à ma demande. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il n'y avait personne dans la petite ville de Normandie en question, parmi les médecins locaux, qui était en mesure de faire ça. Parce que pour avoir, par exemple, un rendez-vous avec le psychiatre local, le secteur psychiatrique local, les gens, 2 mois après leur arrivée, ils n'avaient toujours pas eu de rendez-vous parce que les psychiatres, et ça c'est une des piques que j'avais mis dans mon intervention, les psychiatres locaux disaient qu'ils ne voulaient pas avoir d'interprète parce que l'interprétariat, ça tue la relation personnelle, enfin toute autre chose que je ne qualifierais pas, parce que si je le qualifiais, ce serait grossier. Mais bon, ça c'est une chose à laquelle on est confronté régulièrement. Alors c'est très sévère quand c'est de la psychiatrie, mais on l'a aussi avec d'autres disciplines, les problèmes d'interprétariat. Oui. Merci Marc. Avant de passer la parole à notre joker, que j'ai oublié de présenter, docteur Francis Théodore, qui est psychiatre, qui était chef de service à Ville-Évrard jusqu'à il y a quelques temps, et qui nous a fait l'amitié et le plaisir de jouer le rôle de joker à cet atelier. Moi, je voudrais dire un tout petit mot là, par rapport à votre question. C'est la clé des axes de réponse, elle passe par là. Elle passe par l'accompagnement des personnes en souffrance, que ce soit migrants, tout ce qu'on voudra, exilés, et même les ninis. C'est l'accompagnement des publics vulnérables, et puis l'accompagnement des professionnels qui sont en mission auprès de ces publics. Quand je dis accompagnement, c'est accompagnement, formation, soutien, aide aux aidants, et c'est ça, les deux clés du problème passent par ces deux chantiers-là, qu'on a à peine mis en œuvre, juste depuis 20 ans quand même, mais bon, voilà. L'ami sincère. Sincère ou authentique, je ne sais pas. En tous les cas, votre intervention à l'acide chlorhydrique est intéressante. Je pourrais reprendre un certain nombre de choses. Je veux dire, si la psychiatrie ne peut s'occuper, en province en particulier, où j'ai travaillé 10 ans, et même sur Paris, intramuros, c'est sa grande banlieue, on est en rapport avec, effectivement, des attaques frontales sur la psychiatrie qui continuent au jour d'aujourd'hui, qui font que ses capacités de réflexe sont très diminuées par... la situation pénurique annoncée il y a 15 ans quand nous allions au ministère, et même 20 ans. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il n'y a en France aucune politique de formation des personnels de santé, et en particulier des psychiatres, à l'égard du travail avec les étrangers. La notion que je me suis fait empailler la gueule il y a 2 ans à un congrès à Béjaïa,
par un collègue français d'un département limitrophe du 93 qui disait, moi, j'ai des internes qui parlent l'arabe et je n'ai pas de difficulté pour pouvoir traduire, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que sur cette question-là, je pense qu'on est un petit peu au-dessus du zéro, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Alors peut-être que cette problématique mériterait effectivement d'être développée et abordée avec chaque tranche de professionnels. Le troisième point qui, à mon avis, semble aussi très intéressant dans votre intervention, c'est que ni en amont, ni en aval, il y a un véritable travail. Et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, et je crois qu'il manque un certain nombre d'huile dans les rouages, et que votre constat est tout à fait exemplaire. Lors de mon passage à l'ARS, il y a 2-3 ans, j'avais été mis à l'ARS pour des raisons troubles, mais j'étais chargé de mission, ce qui est un poste tout à fait glorieux. Nous avons organisé un groupe de travail sur la problématique de la prise en charge des patients psychiatriques d'origine culturelle différente. J'avais employé ce terme qui me semble plus adapté que de langue, etc. Et j'ai pondu un rapport que j'ai fait exprès, court, simple et succinct, dans lequel il était préconisé de déjà donner aux gens le droit d'avoir des interprètes. Et d'autre part, je proposais également de quadriller la région parisienne avec des structures spécialisées, soit d'ethnopsychiatrie, soit de psychiatrie transculturelle. Moi, je ne suis pas raciste sur ce sujet. Et j'ai pu constater 2 ans après que mon rapport avait été remarquablement efficace, puisque pas grand-chose ne s'était passé. Donc, j'en déduis que pour quelque chose puisse évoluer, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique, cette volonté politique soit en même temps un peu intelligente. Donc, j'attends qu'un certain nombre de gens se rendent compte des effets tout à fait toxiques que vous décriviez tout à l'heure, qui permettent effectivement d'avancer un peu sur ce sujet. Aussi irritant que soit votre exposé, il était tout à fait intéressant. Merci Francis de cette contribution. Et d'un Théodore à l'autre, eh ben, il faut traverser la Seine. Et Christine, tu as le micro. Ouais, ça marche. Et tu le gardes pour une douzaine de minutes. D'accord. Vous pouvez me lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Est-ce qu'il... Voilà. Alors moi, je vais vous faire un truc bizarre parce que je vais vous parler d'une expertise. Et en fait, c'est un parcours de soins. Voilà. Donc, je suis expert auprès de la Cour d'appel de Paris et je suis aussi responsable clinique d'une unité départementale intersectorielle d'ethnopsychiatrie qui est à Aubervilliers-Rutrevet, donc à 10 minutes d'ici, cofondée donc avec le docteur Théodore. Elle existe depuis 2012 à partir d'une consultation qui est née en 2003. Voilà, ça, c'est une citation de Madame de Maximi, qui est un juge pour enfants qui a sévi un certain nombre d'années ici et qui avait fait un DEA d'ethnopsychiatrie et qui a fait entrer les médiateurs culturels à l'intérieur de la consultation du juge. Alors il faut savoir que là c'est moi en train de prêter serment à la cour d'appel et les images d'Afrique que vous voyez, c'est le tradithérapeute avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans puisque je viens de soutenir un mémoire à l'école pratique de hautes études juste après les attentats. Et donc il est devenu juge traditionnel au moment où moi je suis devenue juge à la cour d'appel. Voilà. Alors nous rencontrons Monsieur D, homme de 40 ans, originaire du Mali, au printemps 2011, alors qu'il est détenu en prison depuis un an déjà. Celui-ci a avoué le meurtre de son épouse par arme blanche. Nous nous présentons comme experts, mais précisons que nous sommes quelqu'un qui a l'habitude d'entendre le discours de la tradition et spécialement nommé pour recueillir ce discours auprès de lui. Les entretiens se dérouleront entièrement en soninké, langue vernaculaire de monsieur, le bambara utilisé au décours de son audition pendant l'instruction, ayant pour lui le statut de langue véhiculaire. Une maladie du pays. Monsieur D explique dans un premier temps qu'il a été déclaré malade au Mali en 1984. En 2002, il connaît un épisode
marquant de cette pathologie très répandue au pays. Il prenait des médicaments prescrits par le marabout, personnage religieux référé à l'islam, constituant une ressource dans le traitement du désordre. Monsieur D nomme cette maladie le mara. Il donne les symptômes. Il s'énerve tout seul. Il en donne l'étiologie. On lui a jeté un sort. Il précise qu'ici, étant donné qu'il n'y a pas de marabout auquel il s'adresse au pays, il est en rupture de médicaments et qu'il se bagarre avec les gens. La première fois, en 1984, ça l'a attrapé par la tête, comme si les poils étaient tirés vers l'extérieur. En même temps, ça le met en colère. Il est agressif. C'est en 2002 qu'on lui a fait comprendre que c'était le mara. Il nous montre des scarifications à plusieurs endroits de son corps, traces du traitement dont il a fait l'objet. Le traitement a consisté en l'introduction d'une poudre dans les plaies, plaies qui ont été grattées au cours d'une seconde visite 3 ou 4 jours plus tard. Le tradithérapeute l'a gardé un peu, a refermé l'esparadrap et n'a pas touché sa tête. Monsieur D décrit très précisément le traitement, avec une baguette, la fermeture des plaies, la lecture de textes coraniques. Il ajoute que parmi les causes, l'eau du marigot a été invoquée. Il buvait régulièrement cette eau, les animaux également. Il précise également que cette maladie lui donne des démangeaisons quand il se lave. Il est reparti avec un traitement comprenant de la poudre pour quand cela n'irait pas. Ici, il est sans produit depuis 2 ans. En 1992, il est allé au Congo. Il a fait des allers-retours avec le Mali pendant 4 ans. Privé des traitements traditionnels, il avait de nouveau des problèmes. Au Congo, l'oncle paternel auprès de qui il était établi l'a envoyé chez un docteur des Blancs, qui s'occupe du palu, entre autres. Mais celui-ci n'a pas trouvé. Il a pensé que c'était une crise de palu. Il semblerait qu'il lui ait donné dans un second temps des traitements de la médecine conventionnelle pour troubles psychiques. Il complète le registre des symptômes en précisant que quand ça lui arrive, il reste plusieurs jours sans manger et que lorsqu'il est malade, il peut tout voir, tout entendre. Il précise qu'il n'entend pas ni ne voit d'invisible. Chez T, celui qui l'a soigné, il a fait l'observation que, contrairement à certains patients, il n'a pas été attaché par le marabout. Il n'était pas à ce stade. Il a juste visité, jamais séjourné. Cette maladie le poursuivra jusqu'à aujourd'hui. Moi, la maladie, ça m'a fait souffrir au foyer, à Paris. Je prenais quelques médicaments qui me calmaient, mais qui ne me soignaient pas. J'ai vu un psychiatre ici. Il n'a pas l'air de comprendre ce que j'ai. Nous lui avons fait préciser le traitement dont il fait l'objet en prison. On lui donne des médicaments qui le font dormir. Une nomination qui ne fournit pas d'identité subjective. Interrogé à propos de sa place particulière à partir de son nom, M. D m'indique qu'ils étaient 4 Thiernos appartenant à sa famille élargie, placés chez Thierno, le marabout ou maudit. M. D estime que cette nomination ne lui donne pas une place particulière puisqu'ils sont 4 et que de son point de vue, rien ne les distingue. Le fils aîné du grand-père, Thierno, a pris la succession, mais est décédé. Je vous passe toute l'anamnèse pour qu'on puisse finir dans les temps. Un passage à l'acte dans un contexte de jalousie. Monsieur D vivra marié avec la fille de son oncle paternel au pays de 1997 jusqu'en 2003. Sa femme vient en France dans le cadre du regroupement familial à l'initiative de son père à elle afin d'obtenir des papiers français. Il parle de ses enfants. H, petite fille née en 98, même nom que la mère et que la grand-mère, a été trouvée par sa femme, morte de maladie alors qu'elle avait 6 mois. Lui était au Congo Brazzaville pour faire du commerce. N'y arrivant pas, il n'arrive pas à établir son activité professionnelle, il reviendra dans son pays pour se soigner. Un garçon naît le 11 mai 2001. Il porte le nom du père de monsieur. L'enfant vit actuellement au Mali, dans la famille de sa mère. Monsieur D exprime son désarroi. Lui et sa femme n'ont jamais dormi ensemble en France. Lorsqu'il l'appelait au téléphone, elle refusait de lui répondre. Le vieux, le père de madame, dit « Le mariage est valable. » Elle a contacté l'autre monsieur. Monsieur D a supposé que madame avait une histoire avec un autre homme, voire que le père de celle-ci avait pour projet de la remarier. Alors qu'elle a refusé une nouvelle fois qu'il lui rende visite, la colère est venue. Dans la cuisine de ses beaux-parents, il se saisira d'un couteau. Il voulait la frapper. Une amnésie puis un état de confusion se succéderont. Après, il a pris le bus, il est parti à Paris, il ne connaît pas les directions, il a changé plein de fois. Les gens de la famille ont appelé, ils lui ont dit qu'elle était morte.
Ils lui ont dit de se rendre à la police. Il est allé voir les policiers et il leur a dit qu'il avait tué quelqu'un. Monsieur D accuse le beau-père d'avoir tout maligancé. Il fait partir l'épouse du Mali tout en affirmant que le mariage n'est pas remis en question. Il incite Monsieur D à appeler son épouse au téléphone alors qu'elle répond par une attitude de réticence. Il rendra compte précisément des contradictions dans lesquelles il se trouvait pris. J'étais vraiment en colère, j'avais des problèmes avec ça dans ma tête. Le fait qu'il y ait deux couples, deux vies pour F, la responsabilité du meurtre, on devrait la chercher du côté de S, l'homme aperçu au bras de sa femme, plutôt que vers moi. La responsabilité vient du père qui l'a donnée à S. Ils se sont foutus de moi en me disant de l'appeler. Ils m'ont tourné en bourrique. Nous rappelons cette réalité. On ne doit pas tuer. Monsieur D répond, tout ça a explosé dans ma tête. Des logiques familiales ancrées dans la tradition, puis dans la migration. Revenant sur les circonstances de la venue de sa femme en France, Monsieur D précise que celle-ci avait fait la bagarre avec son petit frère à lui. Celle-ci serait venue en France car elle a généré des conflits au sein de la cour, c'est-à-dire avec les membres de la famille de monsieur, qui sont en fait des membres de sa propre famille à elle, puisque c'est un mariage par cousinage. En effet, les deux familles vivaient dans la même cour et il y avait des histoires. Monsieur D nous fera le récit précis de la dispute qui avait motivé la migration de son épouse. J'étais à Bamako en 2002 pour la maladie de la tête. Mon épouse s'est battue avec les personnes de ma famille, mais je n'étais pas là. Elle avait préparé à manger, c'était son tour. Tout le monde avait mangé. Monsieur est arrivé après, il a demandé son repas, sa part. Elle avait déjà servi le repas, les gens avaient mangé. Fatoumata, donc sa femme et mes frères, même père, même mère, de temps en temps, il y avait des histoires. M a battu ma femme avec un bâton. C'est mon oncle, donc le père de la jeune fille, qui a pris la décision de prendre Fatoumata, d'enlever mon épouse, pour l'amener à Bamako, puis en France pour les papiers. Donc je passe sur les histoires familiales. Éclairage culturel. Comment utiliser le contexte culturel? Le contexte culturel est mouvant et donc traversé par des principes contradictoires, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ai affiché tout à l'heure. Ici se croisent des migrations village-village, village-ville, internes à l'Afrique, Mali, Congo, Kinshasa, Afrique, France, un contexte religieux, un contexte d'alliance familiale, un trajet tradition-modernité qui n'est pas linéaire. Et nous devons donc préciser que chaque sujet se meut au sein de ces différents cadres de référence avec un rapport à l'individuation qui lui est propre. La position du traducteur est également prise dans le filtre de ces contradictions. Mariage. Actuellement, les modalités de mariage en Afrique de l'Ouest comprennent des dimensions multiples dont les lignes principales seraient négociations entre les familles, mariage religieux, mariage civil, fêtes traditionnelles. On assiste dans la migration depuis quelques années à la mise en place d'unions ne comprenant que les deux premiers aspects du mariage, négociations entre les familles et mariage religieux, remettant à de meilleurs auspices la fête traditionnelle par exemple. On peut alors parfois attendre un contexte financier plus favorable. Ces mariages, parfois appelés moitié-moitié ou halal, sont comme des espèces de pacs religieux qui permettent la vie commune sans transgresser la religion. Conclure une alliance. On le voit ici, le mariage est une affaire collective qui engage la famille. Le mariage de Monsieur D respecte les règles de l'alliance traditionnelle à première vue. Cependant, quid de la fête familiale? Il semblerait que les parents de Madame étaient absents. Et du mariage civil? Nous avons eu connaissance d'une démarche d'enregistrement au consulat de France. Cela sous-entendait-il un projet migratoire? Défaire une alliance. De la même façon dans la tradition, l'usage lorsqu'on décide de défaire cette alliance engage la communauté. Il y a des règles traditionnelles de divorce et de répudiation que Monsieur D aurait pu invoquer. Mais il nous aura expliqué qu'il considérait qu'il serait alors responsable du divorce aux yeux de son groupe d'appartenance. Comme il convient de motiver aux yeux de la communauté tout acte de cet ordre, la règle aurait voulu que Monsieur D soit accusé par sa femme ou par son groupe familial d'un des motifs prévus. Non-consommation du mariage, incapacité de subvenir aux besoins de la famille, incompatibilité d'humeur. Monsieur D aurait pu faire de même, mais pour lui, il n'y avait pas de problème à invoquer, ni de divorce à demander. Fatoumata était sa femme et rien ne pouvait y changer quoi que ce soit. Maladie. Le terme de mara est un mot de la tradition dont les équipes médicales se sont servies pour traduire la désignation médicale de l'oncocercose, pathologie parasitaire.
Parmi les définitions, on trouve Mara en langue bambara, nom donné à une malédiction causée par une maladie, l'oncocercose ou cécité des rivières. Amélie Thien montre que le terme n'a pas d'équivalent en médecine moderne, car du côté des praticiens, en considérant les différents symptômes que l'on attribue à cette maladie, on retrouve les symptômes et les signes qui pourraient être ceux d'une pathologie parasitaire, de l'oncocercose, de la déchéance physique ou de certains troubles mentaux. Donc voilà, vous avez une liste. Je vais conclure du coup. Voilà. Alors, conclusion. La colère maladie Mara de monsieur fait partie de sa réponse à un conflit depuis longtemps, 1984. Il demande depuis toujours et aujourd'hui encore à être soulagé de ce trouble. Il en est conscient et a peur de son surgissement. Nous avons fait remarquer à monsieur D que de 1997 à 2001, il se marie, il devient père d'une petite fille qui décède, il s'éloigne pour travailler, il échoue dans son travail et que c'est dans ces circonstances que la maladie devient plus forte. Il avait déclaré à propos des circonstances du premier épisode de bagarre, c'est en 2000 que c'est devenu plus fort. Monsieur D, tant qu'il a vécu auprès d'un grand-père très bon, très pieux, qui pratiquait la religion à la lettre et dont il porte le nom reconnu et célèbre, a pu vivre de façon adaptée. La vie auprès de ce grand-père était satisfaisante d'un point de vue affectif et l'ordre y régnait selon une rigueur et une logique contenante pour Monsieur D. À la mort de celui-ci, il a perdu cette inscription. Lorsqu'il a s'agit pour lui de prendre une place d'époux, de père de famille, de celui qui gagne l'argent du foyer, en bref, d'occuper une place d'homme adulte, monsieur s'est retrouvé en difficulté. La maladie s'est manifestée fortement. Est-ce la colère connue de monsieur, l'impossibilité pour lui de gagner l'argent du ménage, les histoires de disputes entre Fatoumata et la famille qui ont poussé le père de celle-ci, non pas à reprendre sa parole, ce qu'il n'a, selon les dires de monsieur, jamais assumé de fait aux yeux de la communauté, mais à poser des actes en ce qui concerne les lieux de résidence de sa fille et de son petit-fils. Monsieur décembre ne pas avoir accepté la négociation implicite qui lui était proposée. Fatoumata était-elle tout simplement amoureuse d'un autre homme ou soumise à son père ou d'accord avec lui? Monsieur D dit avoir été rendu fou par son impossibilité d'organiser sa pensée à partir de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Monsieur n'a jamais pu opérer de remaniement face à une réalité qu'il refusait. F est ma femme, le mariage est valable, scande-t-il, rien d'autre ne compte. Les capacités d'adaptation et de remaniement de Monsieur D face à des situations nouvelles et plus précisément conflictuelles sont limitées. Ces problèmes ne datent pas du passage à l'acte. La peine de prison prendra donc toute sa signification quant à la responsabilité, la gravité et l'interdit par rapport au meurtre et à l'agression. Cependant, Monsieur D est accessible au discours qui lui est tenu à ce propos et a toujours été conscient de sa difficulté. Il s'est plaint et demande de l'aide. Il est à noter qu'au pays, c'est plutôt la famille qui l'a amené aux soins, conformément aux usages. Il reconnaît que ses réactions ne sont pas adaptées. La question de son identité et de sa place semble être au centre de ce qui lui pose question. Être religieux, formé et initié par le grand-père, mais sans place particulière, époux de sa femme, fils de son père, neveu, beau-fils, père, puis détenu. Un travail psychothérapeutique avec un thérapeute ayant accès aux thématiques culturelles évoquées permettrait probablement de sortir Monsieur D de sa perplexité au regard de son acte. Je vous remercie. L'article en entier fait partie d'un livre paru chez Duno qui s'appelle Expertise, guide de l'expertise pénale ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est un des articles, donc j'ai rempli la partie interculturelle. Voilà. Merci Christine. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser, Christine Théodore? Je ne vois pas de main se lever une fois. Je ne vois pas de main se lever. S'il y en a une, à la même. Voilà. Moi, j'aimerais en fait un petit peu me faire l'avocat du diable. Je travaille à Lyon. Et donc je suis psychiatre et psychanalyste à l'APF, et donc je me dis que pour avoir en fait, j'ai deux points d'appui là pour un petit peu faire une toile de fond. La première, c'est mon travail de thèse avec une famille italienne d'origine napolitaine, et où justement il y avait tous ces éléments de possession,
c'était pour un jeune adolescent, je ne vais pas raconter la thèse, mais où bon, moi, il y a ce travail-là, et puis il y a aussi donc, les immigrés de l'intérieur qui viennent de la Loire et qui ont émigré vers Fezin, donc, qui est la banlieue lyonnaise. Et alors, en vous écoutant, je me suis dit, bon, est-ce que, pourquoi, voilà, je vais dire ça comme ça, pourquoi ne pas avoir interprété ce qui se disait dans une langue, je dirais, j'allais dire une langue plus universelle, donc une langue, la langue de l'analyse, qui est la possession, c'est la projection. Les éléments en toile de fond, c'est quand même aussi on a affaire à quelqu'un qui comme beaucoup de Français n'a pas de contact avec son inconscient ni au niveau d'une connaissance subjective et d'une connaissance familiale, d'une connaissance collective. Et alors je vais essayer d'être synthétique. Il y a dans ce qui s'est passé là, moi j'ai une lecture du côté de l'invasion de la persécution homosexuelle par le beau-père, par les hommes, la différenciation. Et c'est pas pour autant que je parle pas la même langue que cet homme. C'est pas pour autant, c'est le travail que je fais avec des Français d'origine qui justement n'ont pas de contact avec et n'ont pas les outils non plus avec leur vie inconsciente et qui nécessitent un long travail pour justement pouvoir travailler pour pouvoir parler la même langue. Enfin, j'ai pas été très, c'est un petit peu confus comme je le dis, mais c'est pourquoi abandonner des outils plus universels pour entrer en contact avec quelqu'un. Voilà. Merci de votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Le joker. En bonne justice, on ne peut pas témoigner pour sa femme, donc je te permets de gagner un peu de temps. Oui, donc on a, on peut dire, une petite dizaine de minutes avant de conclure, si... Réaction générale sur l'ensemble des interventions. Deux minutes, parce que c'est simple, ma réponse. Alors, une minute, pas deux. Le fait d'avoir fait vite fait que du coup il y a confusion sur ce que j'ai dit. Il faudra voir avec l'article, mais je l'ai pas. Vous savez, sur du côté de la responsabilité, etc. Je l'ai pas côté possédé. Je l'ai côté en pleine possession des moyens, et j'ai pas dit qu'il était possédé, j'ai dit qu'il avait eu un moment de désorganisation psychique. Je suis complémentariste au niveau méthodologique, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'ethnopsychanalyse, je fais de l'anthropologie et de la psychanalyse. Donc on voit pas bien dans mon intervention, parce que pour le coup, comme je vais vite, mais j'ai des parties anthropologiques et des parties cliniques, et je n'interprète jamais le matériel anthropologique avec la psychanalyse. Je suis bien psychanalyste, mais du coup, quand j'interviens là en faisant des raccourcis, évidemment, on a l'impression que tout devient mélangé. Mais je n'ai absolument pas interprété, j'ai expliqué, enfin, quand on fait une expertise d'ethnopsychiatrie devant un juge, on explique avec une partie anthropologique et on a un moment clinique. Mais ce n'est pas un boulbi-boulga, quoi. C'est, les choses sont séparées. Voilà. Dire deux mots. Vous avez employé le terme de Mara, n'est-ce pas? Mais en anthropologie et chez la culture bambara, Mara est un esprit animiste qui n'a rien à voir avec l'esprit musulman. Vous voyez, c'est cette capacité qu'ont eu... Hein? Oui, c'est un esprit dans le... C'est la capacité qu'ont eu les bambara en s'islamisant, en intégrant ce fond culturel et en le gardant. C'est-à-dire que Mara, il y a double tête. C'est-à-dire, des fois, on dit Mara, mais on peut dire aussi esprit, etc. Mais c'est un esprit animiste très fort que dont le marabout ne peut rien. C'est le sorcier qui peut guérir. Non, 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 non. On arrête là, parce que il y avait d'autres interventions. S'il n'y a pas de demande d'intervention... On va arrêter. Moi, je dirais juste il y en a une devant moi. Juste une clarification par rapport à ce que disait mon collègue. On va
Tiens. 30 secondes. Les racines en arabe, ce sont les joudour, c'est pas l'asl. Mais l'asl, c'est l'origine. Vous discuterez après tous les deux. Hein vous discuterez tous les deux après. Y a aucun non, problème. Enfin, pour dire que ce que parler veut dire, que traduire, ce n'est pas évident. Voilà. On est d'accord. Ouais. Bon, moi, je me donne le droit de remercier tout le monde et en termes de conclusion, de vous renvoyer tous, puisque la question, c'était quand même parcours de santé des populations migrants et réfugiés de cet atelier-là. De ce symposium, c'était parcours de santé, à l'étude parcours que certains d'entre vous connaissent peut-être ou ont déjà vu, une étude d'ANRS qui a été publiée il y a 2 mois, qui porte sur les personnes vivant avec le VIH, originaires qui sont aujourd'hui en France, sur le territoire français. Je crois qu'il y a 2 ou 3 000 personnes qui ont été interviewées. Et c'est essentiellement des populations d'origine d'Afrique subsaharienne. Et ce qui est intéressant, c'est 3 choses qui, moi, m'ont frappé personnellement et qui sont très intéressantes. C'est que la première, c'est que 90% de ces personnes n'étaient pas séropositives quand ils sont arrivés en France. Donc, séropositivité, ils l'ont chopé en France et ils ne sont pas venus d'Afrique se faire soigner. Deuxième élément qui me semble intéressant de cette étude, que je répète, parcours, étude ANRS, publiée en mars, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Deuxième élément intéressant, c'est que 50% de ces personnes ont réussi à s'intégrer en 7 ans. 50% d'intégration. Et s'intégrer, c'est peut-être pas le bon mot, mais avoir une place dans la société avec 3 éléments. Les papiers. Alors, les papiers, c'était l'AME, droit d'asile, le toit et le travail. 7 ans en moyenne. Mais seulement 50%. Il n'y en a que 18% qui sont retournés au pays.